11 11 11 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est la seule émission où je peux servir cette possibilité au côté de la conduite. Zéro 85 210 11 11. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Débat, votre magazine de tous les jours. Nous sommes le jeudi 15 février 2024. Trésor Kiyombo, bonjour. Bonjour Thierry Kamboundi, bonjour Nawalandignon sur Top Congo FM. Osé Manzanza, bonjour. Bonjour Thierry Kamboundi et bonjour à tous les auditeurs des Top Congo FM. Alors, Bandeko Balandi, il y a Top Congo, Tokutani, Pona Mana Kanabiso, Mikolo, Namikolo. Merci Nabaye Bazaye, Kolanda, Peko Talabiso, Tobandi, Nabasango, Yaba, réseaux sociaux. Retour il y a joueur congolais héritier du Vumbu international au Outaki Rwanda via Goma et puis à commune la ville à Kinshasa. Bah commentaire et Zalipé émission au Salemaki Mokolo il y a lobby entre Top Congo FM na inspecteur général chef de service il y a IGF Gilles Alinghetti. Les extraits partagés par sur les comptes X les Top Congo FM et Zali commenter mingi pe remise il y a bah poste télé visière par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et par recteur il y a Unikin et Zali Komonte Mingi. D'abord cette information, l'international congolais héritier Luvumbu à Komaki Lobby à Kinshasa en provenance il y a Goma Kigali Goma et puis Azala qui est accueilli par le ministre Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou. Information Anna sur les comptes X, il y a Top Congo FM et Zali commenté Mingi Bato va commenter dans le sens il y a encourager les joueurs congolais pour na action to geste ou Salah qui a parti à Rwanda et d'ailleurs les joueurs Avakokomanae a expliqué qui dans micro à Top Congo FM ndenge nini le kaki et comment est-ce qu'il a vécu après les gestes posés au bande ko bazali comme on a YouTube ndenge nini a viva qui après en haut et comment est-ce que ba service na biso ambassade ou Salah qui kuna permettre bana kozonga na pays. Un digne patriote qui est attiré directement sur l'envahisseur. Félicitations à Héritier Luvumbu. Message de Willy Boussa à cette publication sur les comptes X de Top Congo FM. La patrie passe avant tout. Bravo à ces dignes fils du pays. Il a gagné une bataille en agissant avec patriotisme. Les combats avec les Rwandais, c'est à tous les niveaux. Nous estimons qu'aucune de nos actions doivent être négligée. Bravo à ces dignes fils du pays. Des messages, des félicitations qui ne font que se multiplier pour nos joueur Héritier Luvumbu. Héritier Luvumbu qui sera avec nous demain. Lobby à Rosa Anabiso, Awa, dans le studio, il y a Top Congo FM pour abete Anabiso dans le solo Penza et Ndenge Makambo et Leka qui prenez donc rendez-vous. Lobby à partir, il y a 11h30, Rosana Héritier Luvumbu Nzinga, Awa, dans le studio, il y a Top Congo FM dans l'émission Le Débat pour tout Solanaï sur Makambo Ndenge Leki, Oyazoka Narosa Lelo, parce que n'oubliez pas que son contrat a été résilié. Quand bien même ce club a promis de lui payer la totalité de son salaire, contrat il fallait s'il en âge, mais Bakati Yango, et pour le moment, il a été contraint au chômage. Toloba, Monsala, il a été Yazamoubet Indembo, président avec club, à se proposer pour assigner avec club à certains anciens joueurs de avec club. Comment ça va se passer? Quel sera son avenir? Qu'est-ce que les autorités feront pour lui? Parce que lobby, ministre Kaboul Alobaki, le seul geste autosalité, l'État a Rokanisayo. C'est ça que le ministre a dit, entre autres, au micro Top Congo de Genovic Mboa Mbaya. Donc, on verra bien comment les choses vont se passer. Autre sujet commenté sur les réseaux, c'est une petite vidéo où on peut voir les recteurs de l'université de Kinshasa et puis les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique Christophe Lutundula. Dans cette vidéo, les ministres, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Nakati, il y a vidéo, on peut voir justement les ministres se prononcer pour dire nous avons reçu les dons des télévisions auprès de la Corée du Sud qui est un partenaire de la RDC. Voilà pourquoi la vice-primature des Affaires étrangères a décidé de mettre
mettre l'une de ces télévisions à la disposition de l'université de Kinshasa. Cette déclaration dans la vidéo qui est partagée sur les réseaux sociaux est très critiquée justement parce que les gens s'interrogent comment est-ce qu'un pays peut remettre un don de deux postes téléviseurs à un autre pays et que cela soit l'objet d'une cérémonie officielle et que le ministre des Affaires étrangères a qu'il ne pourrait remettre un mot comme cela. Donc, critique Ezali et Belé, mais jusque-là, ministère des Affaires étrangères va préciser que ce qu'ils ont ni exactement na cérémonie. Alors, critique Ezali en repos, la télévision, le bien où tu n'es pas payé, mon sous. Oui, la critique est en sens. Ouais, non, est-ce les internautes qui est-ce que pays a pensé qu'il y a pas TV en ami balé. Qui sait ce qu'ils donnent ils allaient qui. Non, là c'est la précision. La précision contenu. Ballon ou la télévision pour pas passer l'université à Kinshasa. Écoutez, pendant que question directe au Leka, il faut bien la porte-parole du ministère des Affaires étrangères pour savoir de quoi exactement. Il s'agit exactement. Hein, tous les canaux, sujet, monsieur. Sujet, mon sous-sous, OEP Zali, commenté sur les réseaux sociaux, c'est l'émission d'hier. OEO, inspecteur général, chef de service, il y a IGF à Pesakina, Top Congo FM, sur gestion, il y a été des entités territoriales décentralisées, il y a Sikawa, puis entreprise minière, Ezali installée, notamment la province, il y a Lola, Salakanini, Moenioso, OEP Pesakabango, en termes, il y a rédévance. Cette question était posée par les journalistes de Top Congo FM à monsieur Gilles Alinghetti qui a d'ailleurs dans cette vidéo annoncé que Bazali Kolande la dépré ba entité wana gestion na bango ndenge nini basalaka tout en dénonçant ba pratique ya mabeu zala qui installé na kati ya gestion nango. À cette publication de Top Congo FM, Jean Bamanissa et qui est un ancien gouverneur ya province ya Ituri a s'est prononcé. Il faudrait faire arrêter les tourismes politiques, nombreux défilent tous les mois vers ces provinces pour les de leur part. Nous qui avons réussi à imposer la perception de la redevance minière par les provinces en présentant les notes de perception des régies provinciaux aux entreprises minières, nous avons mis les miniers dans une situation tellement embarrassante vis-à-vis de la loi qu'ils avaient aussi suspendu ses paiements au gouvernement central. Bonne communication de Gilles Alinghetti, d'ailleurs un internaute qui estime un internaute Franck Kaembe qui estime qu'il mérite d'être nommé Premier ministre pour les derniers mandats du président Félix Tshisekedi. Question directe, Trésor Kiyombo. Question directe, question est tout d'abord qui parle de défenseur, il y a droits humains pour Nanini Bazo Telemela, levé, il y a moratoire sur la peine de mort pour Nanakaya trahison, Nenge Conseil supérieur à la défense et Sengaki, pourquoi Bon Bazaï contre, et Anoya Ronstein Maketa, Azali Mokwa responsable, il y a ONG, la voix des 100 voix. Mokondi à la voix des 100 voix. La voix des 100 voix. Mokondi à la voix des 100 voix. Voilà. Merci Manaye Toroyo Kaba message Nabino na répondeur na 085 210 11 11. Motuna na mbala moko bayimbo ka babeleli na bayi bazwaka mikano mikolo miso moko bayoka kotuna motuna na bayi bazali na biyano 085 210 11 11. Motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango ja mukanga apati afuna. Le quatrième ministre de la Défense a proposé la peine de mort. Mais plutôt, il y a qui m'a fait société civile, ma droit de l'homme, ma droit de l'homme, c'est pour l'ami. Tu vas dire, ma défenseur, il y a droit de l'homme, tu vas dire, tu vas dire, qui a battu Nyonso, na RD Congo, à travers le monde. Biso, tu vas aller contre l'application, il y a peine de mort. Parce que peine de mort, ils ont été parce que Yango et Zaliko respecter droit à la vie. Yango Tosengi, malgré situation difficile, Oyombo Kanabiso, République démocratique du Congo, ils ont traversé, Tosenga Bakonzinabiso, Bazonga Simate. Mbokanabiso, ils ont déjà avancé par rapport à l'abolition de la peine de mort, dans le moratoire où ils ont existé depuis 2003, ils ont malam Tosonga Sousima. Bato nyonso bazo trahir boka na biso, bako ko sanctionne bango sévèrement, par exemple, batika la vina bango mobimba na kata ba prison, mo ba longola bango na armée, na la police, na ba service de sécurité. Ba sanction wana pe eza malamu, e kubi pe ko dissuade, bato nyonso bazali ko trahir boka na biso. Fou Rostin Manketa Azali, directeur exécutif, ya voix des 100 voix, mais yo monite te moto oyo azali koteka ba plan ya bitumba na Banguna akoteka plan ya bitumba na Rwanda toloba siko mutuana batikaye kaka boye jamais
qui ko soutenir bateau nous bazo trahir na biso yo sa koloba te ba longo la paix de mort te mais les États-Unis na ba état mususu ba paix de mort ezali. Oui, mais au point d'aller nous copier ça toujours un exemple une place spécifique à Macamelo qui est malin muté même en États-Unis bazan na ba état ébélé mais bêta où ils ont pour appliquer peine de mort ils ont mingité mais yo ebite ba prison na biso ta mususu pe contrôle yaba prisonniers ils ont malamu te bamsu akota na ba téléphone donc ceux qui botiki bango na bo moi ba continue cause la en contact na bango na libanda ya mboka omoni solution za ka moko solution za ko ba bengi na français ko renforcer état de droit il faut justice na mboka na biso fonctionner normalement ce que état de droit ils allaient qu'on fonctionner normalement, justice là qu'on fonctionner, nous sommes qu'on salamate. Bateau nous sommes basés dans la prison, bah qu'on allait bien contrôler, bah qu'on traitait bah on le col à bateau, mais bah qu'on allait très bien contrôler de telle manière que tant on nous a accusé de trahison, à zatay à qu'on ben la libanté, qu'on condamne ma camboté. Motuna na mbala moko, baimbo ka babeleli na baibazo ka mikano, mikolo miso, moko ya bayoka kotuna motuna na baibazali na biyano, 085-210-11-11. Motuna na mbala moko, lolenge na bino ya sika ya koye babansango. Bonsoir, papa Trésor Kiyombo. Na bengi to Congo, na lingaka na tuna motuna moko. Pona nini ministre wana ekonomi balongola kake biloko emati dolare emati. Tune langana nonde kweliezere ntambwe. Esuke sikoyo biloko ekitito ezaliko kontinue komata. Balongola ka ministre wana bazaki na bakonte mususu bazaki na eba konflito ezalaki kaka pona pri ya biloko na dolara. Pona nini lelope bakoko sana bongo te pona kolongola ministre ekonomi o ezali lelo. Kupa pato zongo kate, merci. Bonjour le débat. Kotsangai nanda kuya son excellence Peter Kazai. Bonjour excellence. Question en Isabue. Na remercie mingi na musaro sali concernant wa oyo parce que bango baza batu moko bazo sa musala oyo izo respecter a tel mode. Na remercie pour ça. Mais na tuna question mo iza simple. Na musalo sali pendant tout le temps oza kinomi. Et puis ça va se faire à côté sur 10. Oui, vous en avez combien? Pour pas piller dans l'eau, il est là qui. Et là, il y a un mot à terre. Il y a un embouteillage. Et puis, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un embouteillage. Et qui dit tout est mati? Vraiment, je regrette ma cache. Pourquoi on a pensé que l'électorat est en 2006, en 2011? Parce que ce qui va se faire ici, ce ministre, nous avons l'homme le plus malheureux de la RDC. Merci beaucoup. C'était Kabika Pangala depuis l'Emba. Bonjour le débat. Je suis Kabituka depuis l'Alema. Je suis est-ce que l'ambassade à Rwanda est à la canne à Congo? Est-ce que l'ambassade à RDC? L'ambassade à RDC est à la canne à Rwanda depuis l'Emba. Est-ce que l'ambassade à Rwanda est à la canne à Rwanda? Est-ce que l'ambassade à Rwanda est à la canne à Rwanda? Félicitations Thierry Kamundi. Vraiment félicitations Banikuma, journaliste professionnel. Namoni Benichon Liboso Tango Zosala. Il a dit que le Zolo a invité à convaincre yo. Mais cette fois-ci, dans l'année Mission Nayo na IGF, Namoni vraiment Banikuma Lokola Christian Le Sakwen. Tu as posé des questions, puis les gars qui très bien, donc vraiment félicitations. Deuxième préoccupation là, il y a problème, il y a justice sociale. Je ne sais pas, toujours le baka qui est député, il y a 30 000 dollars, 21 000 dollars, mais même dans le secteur de la santé, il y a un problème, on a pu se poser. Comment le médecin va causer la chouchou seulement il y a un ministère? Mais il y a pris le moutoubotanye naïe. Na même faculté, comment moko azozoa 1 700 000, moussous azozoa 800, moussous azozoa 400, moussous azozoa même, bah moussous même bah 200, bah 100. Donc bah injustice sociale ouana, ils a bien été. Y'a moi zo sa la ke, ils a gaga na branche moko ya batouné, bah zo sa la ke bilé, parce que injustice sociale, ils a makasi. Donc ministre, fwa bunda ba régler bah problème ouana, bah injustice sociale ou ils a na. Na niveau ba prime. Troisième préoccupation, est-ce que moi, Zali, boutou na question pas mettre ou liwenga?
est-ce que nenge balobaka que le sol et le sous-sol appartient à l'État? Est-ce que l'État peut en mesure ya ko fixer ba prix à ba loyer vi ba dérapage toujours mon nana na monde makambo etali ba ba loyer? Alors bonsoir le départ. Ça devient un niveau changé. On est dans le bagouya. Pourquoi pas tout basé sur la marche? Basé sur la combat chef de l'État. Ce n'est pas normal. Nous basé sur la marche. Pendant ce temps, ils sont redessinés. Basé sur la combat chef de l'État. Nous sommes derrière chef de l'État. C'est la normal. Hein? Pas de marche politique. Et au moment où je dis que ça le voit, c'est la marche. Un camp politique. Mais au bout, hein? Les lois, les camps, les bons mots, les combats, les gouvernements, les binaires, le cola. Donc on comprend que le gouvernement a dit qu'il n'y a pas de marche, or que la marche, moi, volontairement, la Congolais, qu'il n'y a pas de marche. Et là, il est presque une époque que Joseph Kabila est le président. Parce qu'il n'y a jamais la seule marche pour dénoncer le camp de Rwanda. Il y a un pouvoir, il y a un donner des leçons. Il y a un Rwanda, Rwanda. Mais tant que Kabila est le pouvoir, comment il y a un Congo? Que Kabila est le président, pourquoi vous soutenez la réalité? Oui, bonjour, bonjour le débat, bonjour Christian Lusakono, bonjour Thierry Kambundi, bonjour Trésor Kiyombo, bonjour José Mandanda et bonjour à toute l'équipe de Top Congo FM. C'est bien moi, monsieur Jimbo depuis Goma. Christian Lusakono, Thierry Kambundi, s'il vous plaît, Koti Sanganano, Nandaku, et à président de la République. Bonjour, président de la République, FFJC, tu sais qu'il dit, Antoine Tshilombo. Chef de l'État, tu nous avais promis, ça c'est la deuxième fois dans votre promesse, que guerre est conçue à l'Est. S'il vous plaît, je suis Kinois, mais je suis à Goma. Ce que nous sommes en train de voir ici, c'est trop catastrophe. Jusqu'à maintenant, ce sont ces gens-là qui t'avaient voté. Mais Talama Kambozo, le cas, quand est-ce que toutes ces histoires, ça doit terminer? Deuxième. C'est vrai que moi, j'écoute un endroit, il y a inspecteur qui a vu province à Kinshasa, la police. Mais c'est plus qu'il l'aime, l'aime. C'est bien. Écoute, tu as sécurité dans le monde. Tu as bien dit, on a 160 motos. Et la moto en question, ça ne doit pas retourner. Pour aller où? Eh bien, tu vas réclamer conditions, il y a vie, il y a Congo, ils habitent. Vous, la police, au Lebouya, vous, Tchakimia. Mais bonjour, canalisé sous l'Iloko. Herbe congolaise, vous êtes la manifestation. Vous êtes là pour un coup de gaz. On va aller où? Alors, c'est pour moi. Moi, je verrai pour l'aïe, monsieur Jawa, dans un bazarou, dans mon agence. Bon, tu vois, dans l'aïe, ça bouille, faut la bino. Bouille, quand tu as un an, tu as un congé à Congo, ou à Nicole, à Caraba, puis ça bisouille à Nanama Kambana. Ilo konyo seya kala de iku ya kala izangana biti. Bo gela ese biti nangoe bandela liboso iza nini. Uyu biti nangoe liboso uyu bangu wa sala kibano kutaki RDC. Biti nangoe uyu bangu wa bando kutaki RDC iza nini. Nasile lewa. Oui, bonjour Top Congo. Je m'appelle Monsieur Jean-Claude. Je suis à Kinshasa. Je voudrais un peu poser ma question au président de la République. Vous me faites entrer dans la maison de du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, bureau d'âge, président du Sénat, ainsi que l'informateur qui est choisi pour le moment, M. Augustin Kabuya. Est-ce que, quand il vote le budget du pays, il distribue des salaires, ils donnent des salaires aux députés de 21 000 dollars ou au-delà, au détriment du peuple, c'est-à-dire au détriment des enseignants, des policiers, des militaires. Ce sont les Américains, les Français ou l'Occident qui les demandent de donner aux fonctionnaires de l'État, aux enseignants, puis aux policiers ainsi qu'aux militaires, les maigres salaires. Nous aussi, les peuples congolais, comme nous sommes en train de s'en charger avec les Occidents, parce que ce sont eux qui ont entretenu les guerres à l'Est, nous devons aussi parler à nos autorités, à nos dirigeants, d'échanger les façons de nous gouverner, d'échanger les façons de faire des choses. Cette fois-ci, il faut qu'il y ait des réformes dans tous les secteurs de notre pays.
et que tout Congolais puisse vivre aisé dans son pays. Bonjour Top Congo. Bakery, Koti Sanga Nandaka ba Congolais Nyonso. Oyo, Bazari Koyebisa, Rikoyebisa, Martin Fayoulou a appliqué article 64 Abimana Balabala à Sala. Je regrette beaucoup. Bonsoir le débat, les régions la même aussi là. Je vais pas questionner, s'il vous plaît. En fait, la langue qui va inventer congolais la radio Monde de la Place. La monique est banane va poser à bien à la maille banane. Il y a même des jeunes congolais où il va aussi avoir des drones en bois et qu'est-ce qu'il y a. Mais, sans qu'il y ait un mot banane, il va poser un projet soutenu. Il a habité le Congo et la radio et la Maramingi. Est-ce que vous pouvez inviter les jeunes à entendre la parole, à entendre les débats? Les gens qui ont été pression comme une série, précisément la carte Bada. Frontière et à RDC na Rwanda pour défendre ma bécoca aussi là
ce qui est Zali, oui, il s'est dit ça. Zalingaï, papa Merlin, c'est chaud à la Tchangou. Boko Tchangana, Ningaï, papa Merlin, pension à Tchangou. Boko Tchangana, Nandakou, il y a présent Fati Béton, la maman Denise. Nazali koloba pona likambo ya moni oyo moni oyo mwaeto metiza ngoli su ezate papa Fati asale fort po ete asala ndenge Fosin Birindo awa asale kamara na papa na ye asovaki le Marshal Mobutu asanzaki moni foto zonga na ba nouveau franc congolais ezala mbongo kuya mingi pe un franc congolais de 5 suka na 20 Bongo likambo ya transport ndezo boma siku nde makasi. Bato wana ba M23 bazana mituka na bango bazo tia ba transport na ntengo mpema na bango elingi bazo nyokola population. Na lobaka likambo ya kosomba ba yasu wana na port ya Anvers. Koya nango awa kotia ngo ebele meme 5000 botye mboka mobimba. Ba kongole ba pema na transport. Ba komi kobomela biso na ba transport. Bonjour Top Congo. Bonjour les débats, Monsieur Jonas depuis la commune de Lingwala. Papa Thierry. Tout ça, on a mis comme on a quartier, on a dit ça, à la gana cour d'ordre militaire, à la solide secrétaire. Mais c'est quoi, on a ce qui caca à la civile, ce qui caca pour me dire que ça n'a moins débat, ou bien moi, que bien, qu'il n'y a pas forcé, bas à la ca. Il faut caca qu'il n'y ait pas de soldats, il y a cour d'ordre militaire, bah, soit. Ba kangio ba kei ba tiré au foot et le côté ba yeko zongisa yo ou bien ba yeko gangela yo po osakanaka na yete yango mutuna na ngeza yo est-ce que ça permet na un militaire a kanga de ce civil na époque na biso oyo quel que soit le problème aux ala infraction to bousani na moto parce que ça la na cour d'ordre militaire a yé na yé ba kangio moboko na somba même na moto tiku na yango na tune est-ce que ça permet pe eskanine na ko yoko funa ndeko wana. Bonjour le débat. Na bengi binu na Selembawe. Na ngina répondre na question batuna di lobby ici les soldats de Ougandé. Alors il y a un groupe de soldats ougandais qui obéissent à l'enfant de Museveni. C'est ce groupe là qui opère à côté du M23. Tandis que l'autre groupe obéit au président Museveni, c'est le groupe là qui opère à côté des FADC. D'ailleurs, les médias internationaux tango ba Ougandé ba kotaki na RDC ba baki que les soldats ougandais sont entrés avec des pelles mécaniques. Au pelle mécanique tu dis que parce que nous avons tout le monde là-bas. Oui, bonjour. Bonjour, trio. Nous allons enseignants et la EPST Kaka. Maintenant, la division, il y a beaucoup de gens. Mais en tout cas, trio, vous savez, ça demande au yo, na niveau, il y a président. Président, Bissot, Topona qui est. Avant tout pour nous, tout le monde a dit caca dans ma cambo ya Caritas. Et si le loi a joué sous le conseil. En tout cas, un paiement continuel na biso. Chaque mois, il faut tout que nous ayons 45 jours, 60 jours pour tout que nous refoutons ta main. Et nous, tout le monde, est-ce qu'il y a un peu bon qui s'est dit sur le cambo na nouveau mandat na EOT? Est-ce que Azanan, Azawat, ayoka ka makambo tout le monde na ngote? S'il vous plaît, un paiement est l'équipe biso, Asunga biso. Bonjour le débat. Ce monsieur Dadi depuis la commune de Ngaliema. Demandez un peu à monsieur Denis Kadima ce qui se passe au niveau des commis à la livraison des duplicata et ceux qui n'étaient pas dans les fichiers électoraux. Est-ce qu'il sait ce qui s'est en train de se passer dans les communes là où on délivre les duplicata qui commencent à se vendre déjà? Top Congo Bobeta, c'était Nalikamo. En tout cas, Tolentoyo, solution pour Nalikamo. Oya, duplicata, Naba, O, Bazari, n'afficher électoral. En tout cas, le débat, M. Elika et Panabino. Merci pour le message, Nabino. Tout de suite, flash d'information. Simana Yango, Toko Zongue, Nabino, pour la Kokoba Manaka. Le débat, Yamokola Lelo, on a rappelé que flash d'information, vous allez présenter na Théophile Loussakweno. À tout de suite. 085-210-11-11. 085-210-11-11. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Top Congo, il est 12h. Le flash d'info. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Il n'y a pas erreur, c'est bien Théophile Loussakweno qui est devant ce micro. Bonjour et bienvenue dans ce flash de midi. Top Congo FM.
Guerre au Nord Kivu dans l'est de la RDC. Ce jeudi, une accalmie relative est observée sur presque toutes les lignes des combats dans le territoire de Masisi. Les FRDC consolident leur position à Sake et à Bweremana, non loin de la localité de Chacha, contrôlée par le M23 RDF le week-end dernier. Sachez par ailleurs que 2 soldats sud-africains de la mission de la SADC ont été tués et 3 autres blessés. C'est la Force de défense nationale sud-africaine qui l'annonce dans un communiqué ce jeudi. Une bombe de mortier a touché hier une base militaire du contingent sud-africain, causant des pertes et des blessures parmi les soldats. Top Congo FM. Un événement à l'I2PS, c'est le 42e anniversaire d'existence de cette formation politique fondée par un groupe des parlementaires à l'époque du maréchal Mobutu en 1982. Aujourd'hui, les cadres et membres de l'I2PS se fixent rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour un culte d'action de grâce. L'I2PS a passé 3 décennies dans l'opposition avant l'avènement de Félix Tshisekedi, qui a prêté serment le 20 janvier dernier pour un second mandat à la tête de la RDC. Top Congo FM. Des magasins fermés et certaines activités perturbées ce jeudi à Kalemie dans la province de Tanganyika. Action initiée par la Fédération des entreprises du Congo qui proteste contre les multiplicités taxes instaurées au port ainsi que sur plusieurs axes routiers. La FEC relève que 27 services perçoivent les taxes au port où l'on devait voir les agents des 4 services reconnus. Selon Jules Moulia, président de la Fédération des entreprises du Congo, c'est depuis plusieurs années que les opérateurs économiques se plaignent de l'existence de certains services qui perçoivent des taxes illégales. Top Congo FM. Le gouvernement congolais envisage de créer des millions d'emplois grâce à l'entrepreneuriat. C'est le ministre de l'Entrepreneuriat et des PME qui l'a dit lors de la présentation des résultats du conclave du génie scientifique congolais. Pour le ministre Désiré Mzinga, une seule entreprise peut générer des sous-entreprises pour donner de la valeur ajoutée à certains produits. Il faut environ 600 millions de dollars américains pour mettre en œuvre les 45 projets innovants retenus et 300 millions de dollars américains pour financer l'entrepreneuriat dans le prochain du concours, dans le projet du concours du plan d'affaires. Top Congo FM. Voilà tout pour les titres. Prochain rendez-vous, c'est à 13h pour d'autres actualités. Mise en onde Grâce Lema. Mais en attendant, place à la deuxième partie de votre magazine Le Débat avec Thierry Kambundi, Trésor Kiombo et Osé Manzanza. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Maman, maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. C'est parce que nous vous aimons, que votre radio Top Congo FM 88.4, la meilleure des radios. Akoli, akominde mokolo, akoli, akominde makasi. Yango papa, papa, mama, bilenge, boya to fete, na to kungu. Mes clients partout dans le monde ont une très grande importance à mes yeux.
Et prendre soin d'eux requiert de ma part une attention méticuleuse, surtout en ce qui concerne le transport. Après une séance de travail fructueuse, je commande toujours un Majabukam VIP qui leur offre un confort royal jusqu'à leur hôtel ou à l'aéroport. À 13h quand c'est la sortie et que ma maman ne peut pas venir me chercher parce qu'elle s'occupe de mon petit frère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a envoyé Majabukam venir me chercher pour rentrer à la maison. Je peux prendre des taxis comme mes amis, mais maman dit qu'elle préfère Majabukam parce que c'est rapide et elle sait que je suis en sécurité. Après ce travail, moi et mes amis aimons nous rencontrer pour filer pour Majabukam. Sauf que ce samedi-là, alors qu'on rentrait en taxi, le chauffeur s'arrête. 85 210 11 11 11h30, 13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. De le débat, vos questions, Trésor Kiyombo. La première question pour Nanini. Longola comme ministre de l'économie, mais Biloko Ezo Kitara Kata Lote, Biloko Emata, Ezo continue comme Mata, Tentuna, député Ndeko Eliezer, Tamboué, pour Nanini Bazo Longola Tekas, ministre de l'économie, Oyo Azali actuellement. Longola comme ministre de l'économie, entre autres. De Gabandek, c'est la Biloko Ekita, Biloko Ekita, T dollar et Mati. Pourquoi Bazouti Garas, ministre économie, Oyo Azalakaka? On va poser la question, mais et la question, c'est que, est-ce que solution, ce que Zaki Balongola qui est pour la Biloko Ezo Matatalo, est-ce que solution est Zami? Oyo que ce Balongoli, ministre économie, Lelolo Biloko Ekiti Balamoro. C'est vrai que quand on est nommé ministre, et que l'on gère un secteur, on est censé trouver des solutions. Mais on parle plutôt du système économique et Mboka. Hein? Il faut que Bongisa économie et Mboka. Parce que, à tâte au changer, Batoué Bélé, ce qui, système est changé, environnement est changé, cadre est changé, ce qui, bah, solution à Malonga et tient mis en application, ce qui production n'a bisomoko et colité, ce qui changement fondamental les alités n'a banza to banaro rompre kaka et aux ala to poussani moke, on avance d'un pas, on recule les deux pas. Si qu'on a monito à dollars et commis sous coléka 27. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à ça dire. Ça se rapproche des 30. Oui. Et conséquence, ils avaient surpris à Biloko qu'on a marché. Donc voilà. Est-ce que la solution, ils allaient caca Kolongo, la ministre pour Biloko et Kita. Donc voilà, il faut changer les choses. Même si, en tant que ministre, par rapport à secteur Naï, je précise, Azan a rôle y a rejoué pour en retrouver la solution. Voilà, justement, on a un gars qui se pose sur Kito. Si vous avez dans le contexte, ce qui a changé, tes ministres, Aïe, Kosimba Pegarate, Ngaï, Zalaka. La décharge, il y a ministre. Ministre Azali, Moussala Naye a apporté donc ma piste et solution. Absolument. Pour permettre donc Namboka et avancer tout ce qui a là. Pourquoi tu as des changes, Jésus? Jésus, elle a toujours. Et plutôt des changes, Jésus, comme ministre économie. Hein. Donc il faut aussi préciser cela. Voilà. Mais ministre économie, l'actuel, il y a d'ailleurs des questions, il faut retourner à épée. Parce qu'on va se rappeler, ça fera plus d'une année depuis que ça la conférence de presse Naye, na émission briefing, ministre Patrick Mouyaya a annoncé qu'il y a une série à la réforme pour Nako. S'il y a un problème, il y a taux d'échange pour Nako. Diversifier l'économie a annoncé qu'il peut y avoir un montant où il y a un montant à louer. Tout ce qui est bien, qui peut après, il faudrait peut-être qu'il y a précisé bateau. Nous avons annoncé comme la réforme depuis communication, on a une année déjà, coquille presque. Est-ce que les alliés appliquaient Nini Basali pour amener la solution? On n'a pas de problème à identifier qui malam. Tout le monde qui est mission en Abyssonio, comment est-ce qu'il avait présenté les problèmes? Comment est-ce qu'il avait annoncé des solutions?
côté agriculture, n'a pas problème, il a arrêté à maïs. Comment est-ce qu'il avait annoncé qu'on diversifiait l'économie? Comment est-ce qu'il avait annoncé bah, mesure Bazouaki pour permettre les francs congolais à la stable? Mais une année après, qu'est-ce qui est fait? Où est-ce que nous en sommes avec les résultats? Mm-hmm. Voilà, question M. Izali, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de Kwalingaye, bah, ce qui est Moko, va pêcher opportunité à ses côtés sur 10. Hein, à côté, à question d'aller dans le gouvernement, comment il fait ça? Combien sur 10? Bandor Zelaye Nakulu Nana Prima Bambouteage de Kwalobi Yemoko Azuzi Directionaye Ndenge Nini. Question ministre Peter Kazadi. Ambassade ya Rwanda, Izalaraka Kana RDC, Ayoki ke Louvumbo Akimaki n'ambassade RDC Kuna Ninge Aye Basuki a pe ambassade n'avant Izala malgré nous sur les entre Bisso. Bon, Toto n'a souvent question. Rappelez-vous que même Nathan la campagne, Toto n'a gagné au président. Président Lobby, Makambouane, ainsi les relations à Rwanda, ils ont sous-souté. Mais on a même posé cette question-là aussi au ministre Patrick Mouya, rappelez-vous. Parce que le Kambo et Sami Pona Louvumbu est révélé quelque chose, c'est que même si tu as l'ambassadeur T, na Rwanda, ambassade Nabiso et Salaka. Et un chargé d'affaires. Comme, qui oui, comme c'est le cas à Kinshasa, on a chassé l'ambassadeur rwandais ici. Mais beaucoup d'acteurs politiques d'ailleurs le disent, l'ambassade du Rwanda au Congo n'est pas encore fermée, ou n'est pas fermée. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en dehors de cela, les frontières, enfin, on a encore quelques... Les frontières ne sont pas fermées. Oui, je voulais dire, il y a encore quelques canaux de collaboration avec le Rwanda, oui. Quoique agresseur de la République démocratique du Congo. Donc, ambassade Nabiso, na Rwanda, et Kangamate, et Salaka. Comme Yabango Awa, beaucoup le disent, ambassadeur Babenganaye, hein, mais Bakanga ambassade Nabango Awate. Le Vumbu, Toyoka et Lobby avec beaucoup de détails dans l'émission de débat, mais à Lobby déjà, Namiko et Genovic Mbo et à Top Congo, Lobby Tango Akitaki n'a avion que Tango a sali geste wana na match na sima ba réseaux sociaux a s'emporté ba émission a comme comme na présence ya ba présence inhabituelle ya ba militaire. Ça c'est pas militaire na quartier na ye voilà a lobby makambo ebele ebele et ba to ambassade nde ba to ba yo zoyé pour na sécuriser ba to ambassade pe ba to ba lekisi na Goma. Et à partir de là, il a pris l'avion pour venir ici au Congo, ici à Kinshasa. Donc voilà. Ça, c'est une bonne question à poser au ministre des Affaires étrangères à partir de ce qui s'est passé sur le Kalouvumbu. Le problème justice sociale, tout le bien, le problème est député, parce que vous avez mais il y a un misala, le service à l'État, le salaire à l'État, le fonctionnaire, puis en justice, il y a un côté de prime, il y a un niveau d'études, mon corps, tout le grade, mon corps, pour que ce n'y a pas de service, le prime est différent, médecin, il y bien traité dans le secteur de la santé, que le gars, tout le monde, pour la nini, tout le bien, la capé, il y a un gros. On en parle. Problème il y a les foot il faut que c'est Nina les foot il pas les zones salariales problème il y a bah bon il a parlé plus des primes. Ah oui c'est vrai, primes différence montoazana bah service ministère il y a finance, ministère il y a budget non montoazana ministère il y a formation professionnelle par exemple non bazouaka prime n'importe quoi colobaté barozo prime n'importe comme sur institut à Nairobi bazouzoa ah bazouzoa d'accord. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Quand on a fait l'émission avec le ministre Nicolas Kazadi, on a évoqué la question, la disparité y a ba prime, ba misusu baza, ba misusu kutu, ba bosana ba salaire. Tellement prime na bango, ils ont représenté salaire multiplié par ceux qui combien. Hein, ba misusu semaine et les silaté azubo et likamubo boy boy donc certains ministères. C'est toujours compliqué parce que ba prime mais ils ont source à motivation, année oui, tu vas tout ba salaire en oui, service, oui, il y a mobiliser ba recette. Je les motiver plus. Ouane Zaba Régie. Oui. Régie, Bazana régime na bango. Voilà. Si je peux le dire ainsi. Otozo le Bezali, agent, peu fonctionnaire, il y a un ministère. Qu'est-ce qui fait que Ekare Zalama Kasiboué? Qu'est-ce qui fait que Bamisous Bazala, Bazana avantage 10 fois. 20 fois, 30 fois plus que les autres. C'est un vrai débat qu'il faut engager, mais apparemment,
On n'est pas prêt à le faire parce que les plaintes n'ont pas commencé aujourd'hui dans les débats, hein, Trésor. D'ailleurs, au monde, c'est assez souvent dans l'administration à l'État, transfert dans le ministère est viable. Par exemple, dans le ministère des affaires coutumières, tout ça, alors le transfert dans le ministère à budget, dans le ministère à finances, simplement parce que pour n'a pas foutre à bien. Pourquoi ne pas côté à tenir sur la condition où il s'est engagé pour Bazala, Malam aussi qu'à Bazali. Question sous de quoi tout n'a qu'à habiller les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Est-ce que partant de ces principes, l'État a requitté que l'année à l'eau, bah, pas on va le foutre, ça sera cher. Est-ce que l'État a fixé Fixé, voilà. Il y a Ndako. L'État s'est fixé à Talo Ndako. Il y a un arrêté qui existe. Pour fixer Talo Oui. Je précise bien. Les Kamabo à loyer. Oui. Bon, oui. Les amis, il y a une loi. Garantie qu'à la Non, 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 non. À Talo Ndako. Talo, je dis dans le sens, il y a garantie, justement. Oui. L'État a fixé ça. Talo, dans le sens, il y a garantie. Balobi. Ndako yo résidence, résidence sika to vanda refuta sans misato 3 mois et sika o sala au commerce na commerce wana aux boutiques aux pharmacies aux nini aux terrasses to nini 6 mois kasi suivi ezala raté sika wa ya fixer la hauteur ya garantie nako fixer prix ndako paiement mensuel Wanande l'État salaire à côté. Mais l'État doit, l'État devra réfléchir comment encadrer justement qu'on fixe bah prix on a parce que oui les caras généralement dans le quartier n'abuse ça ne s'explique pas. Monda comme mon toiseau fouta admettons $500. Azo fouta loyer n'ayez par mois $500. À ça les caras déménagement à longue na parcelle à Zalaki. Monte mon sous soyez automatiquement bah ici ils ont mis $700. Sur base, il y a bah, les manies, et au moins $500, et pas un moto, alors qu'ils ont la même adresse, alors qu'ils ont un emplacement, alors que mon salaire, mon côté, salaire, il faut justifier changement et montant. Wana. Et puis, bah, tout basali, qu'on vivre la situation, on a la bicyclette belle. Bande de commissions, bah, le bagage, bah, commissionnaire, moto, bah, salaire, qui est comme un bon homme, mais voilà, bonne fois, paye, bah, bailleur, ou basan, la bande, quoi, est-ce qu'il respectera? Parce que, zali, pime, les cambo, à cause de la peine, à compréhension. Oui, mais par raison, l'État devrait penser comment est-ce qu'il devait intervenir pour encadrer les secteurs parce que ça ne fait que monter Banda qu'on a vu il y a Kinshasa. Absolument. Et ça, le roi barème, franc, le roi dollar. Barème. Alors, par exemple, quartier Boé, commune Boé, pour Banda qu'on a deux chambres salon, il faut autant. Hein, bah, si tu es bien, on a moins fourchette, moi, Boé. Voilà. Koto Balobi, parce que, bon, bah, commune, les alli, na tout à spécificité, fait. Na yango, nda ko zova na masine, za talo morote, nda ko foute na gome, même ces dimensions moko zomona. Donc je pense que il y a moyen de réfléchir sur un barème na sens wana par rapport à standing ya ndaku, par rapport ya standing ya quartier ya commune et par rapport ya monene ya ndaku ya ba nombre ba pièces etc. ça c'est un vrai problème en effet. Alors, problème question monsieur Zali Batubazo ça la marche contre agression rwandaise na RDC contre donc guerre pour Bazo Loba, la marche wana qui est autant combat président, Bazo exprimer soutien panaye. Pourquoi alors que marche il fallait zalande pour la cause nationale, missionnaire sur Nassima Mboka, soutenir Mboka, comment ça la Kobimisango neti marche et à soutien et pas à Mokondi Mboka. Alobi, Batango Bazo marche Natango Joseph Kabila Pebitumbeza, qui pour Anini Vasalara marche en soutien également au président Kabila, Wanda Rande Kodé dans ces guerres. Bon. Je n'ai jamais compris ce débat-là, en fait. Je comprends que jour où il y a opposant, il y a soutenu le FRDC, mais il y a un gouvernement. Alors que, voilà, quand on peut manifester, mais il y a un gouvernement. Premièrement, il faut dire à cet auditeur que les manifestants sont libres. Hein? Ce n'est pas parce que Batangi Kombo a Mokonza Mboka na marche que marche ou aneza organisée par Mokonza Mboka to Batunaye. Des gens sont libres de se regrouper et de soutenir les efforts du gouvernement, du président en faveur de telles causes, de dénoncer une situation, par exemple l'insécurité à l'Est, en soutenant les autorités en place. Et ça, liberté na bango. Ça, c'est de un. Baza libre, mais baza obligé, en effet.
ils peuvent dénoncer les choses sans pour autant soutenir une autorité, sans pour autant soutenir une institution par rapport à leur action. Donc, bah, ça libre. Et ça bataille comme on a été. Mais, Mokondia Mboka, et ça l'olingi et l'ongi n'a été. Et ça l'olingi comme on a été. En tant qu'institution, on va s'imposer. C'est le président, c'est le numéro un de la population congolaise, c'est le numéro un de l'armée, le numéro un de la police. C'est, voilà, c'est le président. Voyez d'abord l'institution présidente de la République. C'est, parfois, on a compris la raison, c'est à débattre. Le gouvernement est en train de... Si le gouvernement ou le président ne fait pas assez en faveur de l'armée, nani va critiquer. Ceux qui armé na biso bazana ma coquité, armé na biso bazo fouta ma bienté, la police va fouta. Mais qu'est-ce qui est-ce qu'on regarde? C'est l'autorité budgétaire qu'on devait regarder dans le sens il y a oui. Pardon, ne nous amène pas dans ce sens-là. Non mais je parle s'il te plaît. Osez. Kobung ça débatté. Question nanga za boy. Ceux qui armé bazana ma coquité. Armé bazo bazana motivation té. Nani total à Kaliboso. Mokonja Mboka. Na lobby teke, soit dans le bongo, to bosani ke, bijende batuba futa rabasala rabote, mais total à ka, Mokonja Mboka na sens nini. Na sens ya symbole ya nation. Quand l'armée ne va pas bien, on regarde le commandant suprême, mais qu'est-ce qui se passe? Comment notre armée n'est pas bien équipée? Comment notre armée n'est pas motivée? Comment banani n'a biso bazana ba tenir à bien té? Total à Mokonzi Mboka en tant que symbole, il y a la nation. Olingaï, Olingaï était. Et ça le vota qui est. Et ça le vota qui était. Et ça le zone singotère au monde. C'est lui le président comme institution. Vous voyez? Donc si les gens, en vantant le mérite de nos forces armées, saluent également celui qui est le numéro un d'entre eux, et ça m'a bête. Ce qui peut pas décider bah ça la bango ya ngote ba soutenir kamakasi armée comme l'armée est ta politique. Donc ça veut dire que dans les deux sens, je ne vois pas pourquoi il débat. Débat ça ka ba politicien. Ba kote ça ka maramabe. Au moins ndeko na tangi abina tangwa Joseph Kabila, il dépasse ba naiko manifester pour ba soutenir président Kabila. Bazaki obligé tain. Mais ba kokai pero sala yango. Les lopé, c'est la même chose. Des gens qui manifestent leur soutien aux forces armées peuvent citer les noms des autorités ou peuvent encourager les autorités qui ont fait que nos forces armées aient ce qu'ils ont au nom de l'État congolais parce que bazo tanga ba komisa ba ona komola bangote pour armée ba koma bongo bongo wana uti pa na bangote mbongo za l'État congolais mbongo za biso mais ba kokipe ko tanga komote c'est-à-dire ba rendre manifestation na bango penza apolitique manifestation citoyenne comme les mouvements citoyens le font ba mouvement citoyen bazan apostaté ba komisa ba acteur politique bazo soutenir ba action et armée parce que l'armée est apolitique, l'armée appartient au pays. Donc dans les deux sens, moi parfois je voilà. Na mon araba politicien, mon araba oya lobby boya té bangoté. Mais souvent il y a confusion dans débat et appropriation action publique. Ah récemment na ville ya Kinshasa, nzela yanguma ba travaux et bandi, vous étiez na en vacances directement te qui j'ai kokomo lumba sali nzela. Batumusu baye na communication yete ezali ngobila. C'est-à-dire au lieu ya koloba ke ville les sali les alliés ville institution les alliés qui gèrent non bah tout baso qui n'est mis une tendance à s'approprier bah action publique les alliés menés alors que mon côté na bangomi balé azo qui mbongo na libenganae alors bah qui na bandio tonge la batunzela na bonne foi n'angai un problème à mon avis c'est que la politique est trop personnalisée. Ah oui, autorité morale, autorité de référence, son excellence Boyé, Nani Boyé, c'est-à-dire que oui, même les ministres, on dit même président parti Balobé a sa autorité morale, alors que la morale même c'est une autorité. Bon, c'est là, vraiment, c'est-à-dire vraiment compliqué. C'est-à-dire politique Nabiso Yangwana. J'ai déjà dit ici, est-ce que vous imaginez un parti politique comme le MLC sans Jean-Pierre Bemba? Ils a bornaïe, ils a parti naïe. Au boy, ok. Vous imaginez un parti politique comme Nouvel Élan voter un autre président au terme du congrès que Adolphe Mozito. Mm-hmm. C'est son parti, il a investi dessus, voilà. Pareil pour les CD sans Martin Fayoulou. Donc,
c'est parfois c'est au tal politique na bisuza lié na ba individu et ce n'est pas qu'au Congo hein exemple na mboka mingi Afrika malheureusement donc il y a trop de les personnes sont plus importantes que certaines institutions ou certaines organisations hein donc yangwana donc yangwezo sala que et même ba répercussion na yangwe keiti na ba institution amboka o isa censé ko zala apolitique moi ça me gênait au moins na tango FCC cache ndeba na olba mais c'est vous c'était vous alors que logiquement motoso ki ba nommé ministre to ba nommé na poste moko boye ya gestion au niveau national il faut à s'affranchir na ba clivage politique au comme ministre ya ba congolais nyonso et ça là ba obaza na parti politique na yo et ça ba obaza te et ça ba ba ligara yo et ça ba ba ligara yo te donc voilà c'est des problèmes et au moins même ba politiciens minene ya minene que rappelez-vous de l'incident de Tumba comment s'appelle l'ancien ministre de la justice Tunda Kassende qui est actuellement d'ailleurs à l'Union Sacrée. Voilà, ministre de la Justice, les Kamwe Salamé liés, na qualité wana, tant wa bimi a kei wapi. A ben yeme. A ken a siège à parti politique na bon. Te, ma kambalobi koutoute. A ken a siège à parti politique na bon. C'est des problèmes. Il faut que, ba acteur politique na biso penza, ba koma ba homme d'état na nenge ke ba nomme yo ou s'affranchir na ma kambo. Ma kambo tu bandeau ka la FCC cache, c'est grave, hein. Décision outil dans le gouvernement, faut les canaux dans le parti politique pour parti politique, même sa ministre signer, tout qu'on signait. C'est ça le problème. On a trop sacralisé bateau dans le parti politique. Vous imaginez le PPRD sans Kabila. Talagarana 2018, alors que tout le monde savait que Kabila n'avait plus le droit de se représenter, bateau ni bango. Hein, bon pour n'avoir comme ouais bateau misato baro zala bah éventuel dauphin on a entendu ici na top Congo non na top Congo mutalobi biso bah misou bah lelo na union sacrée aponi trop fort Kabila bah tu misou bah na union sacrée lelo mutalobi pour nous les meilleurs candidats du FCC 1 Joseph Kabila 2 Joseph Kabila 3 Joseph Kabila mais franchement donc botier même l'icolo à constitution parce que constitution est péquissier il est pas yébi que constitution péquissier a signé na bino bopona Bino Bolobi, yé. Mais à cela, les débats, ils ont à Roloba. Banani va permettre à Batouba, comment on a la situation. Est-ce que Zali va parti politique, va militant, va même leader politique? Parce qu'aujourd'hui, si on suit par exemple les débats aux Olekana Sénégal, comment est-ce que le président Macky Sall, qui était d'ailleurs rentré à dénoncer, même situation congolaise, mais les losos qui botalin s'est comporté, c'est vrai, il l'est dit ouvertement qu'Azol n'a pas s'éternisé. Mais méthode Azol qui n'est pas décrié par l'opposition. Mais ce que Tali même a un niveau en beau canabiso, le président Félix a continué à pouvoir, Azan a deuxième mandat, mais il y a toujours à un moment un groupe de gens, Bakoya, n'a pas projet à ba réforme, n'a pas projet à Banini, qui amène les leaders politiques à se considérer comme Banzambe finalement. Bon, imposant un leader politique, Balandela Nabongo. Bon, on parle du cas du Sénégal, mais le président Macky Sall s'est appuyé sur une proposition. Oui, tu n'as opposition. Non. Il y a Karim Ouad. Pour pas passer à la guerre, l'excuse à la journée. Excusez-moi. En tout cas, si on devait s'en tenir aux propositions de certains camps politiques, il n'y aurait pas eu les élections. Il n'y aurait pas eu l'élection le 20 décembre 2023. Donc soit tu continues à dossier au Sénégal. Bon, ils ont beaucoup d'ambitions, tu relies tant inutilement la Macambo et t'as les ambitions. Mais logiquement, je suis désolé. Quand Moroto va camibaler, Balobi, bas à frustré, tu vas contester les décisions, tu vas se pelleter dans le processus local, tu t'es les missions sur pour lancer pays Sabango. Les politiciens trouvent des mots et des justifications. Parce que même. Il y a ma action, même inconstitutionnelle. Donc, il y a des besoin d'un avancé. Voilà. Ou d'un prétexte. Voilà. Il s'en est servi pour dire. Voilà. Donc, toi avancé. Si bon, vous. Auditeur, mon compte de Kouabia Zanagoma, président de la République à la Kaki Kimia, jusqu'à quand pourquoi est-ce que tu es au Kobabongo? Voilà, on en a parlé, on en parle tous les jours sur Top Congo, la situation à l'est du pays. Et puis, question, Moussousou, Eloko, Nyonso, Ezalakana, but,
Nango, Guerrilla Esther, but Nini, Nini Salagi, Bitumba, Banda, Batake Bissot. C'est la question de notre auditeur. Guerre, Mokonzambo, Kaloba, ministre Baloba, Banda, Bakonzambo, Kalabaloba, ministre Kalabaloba, Guerre économique, Balini va exploiter ba richesse Nabiso, Nanko, le quoi basé na Makasi, Baye, Bakoti, Bazu, Mabele, va exploiter ba richesse Nabiso et Bazana va viser sur Mabele Nabiso. Bazan la visère au katamabele nabiso. Mais pour le moment, ils ali ba intérêt, ba exploiter ba richesse nabiso na portion wana to na partie wana au bazan ko déstabiliser tout le temps. Malheureusement. Ouais. Voilà. Question Moussous Suezali, bon, de quoi t'as dit, il président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat et l'informateur, lorsqu'il vote le budget du pays, il donne 21 000 dollars. Déjà, ce sont les députés qui votent, il donne 21 000 dollars aux députés. Est-ce les Américains, le Français qui leur demandent de donner des maigres salaires aux fonctionnaires et enseignants? Question à eux, les moments n'est-il pas venu pour que la tendance change, que le fonctionnaire de l'État soit bien payé et les enseignants? Promesse avait été faite. Par celui qui a été élu, Félix Tshisekedi, lorsqu'il était candidat, sur lesquels il va baser son deuxième mandat. Parmi les points, il y a l'amélioration de la vie des Congolais, il y a l'amélioration de la condition de vie, condition de salaire, pouvoir d'achat. Toujours et là justement. Train de vie, l'institution pour nous équilibrer justice distribution. Bon, mais sur ce point, il y a matière à débat. Au sujet du train de vie de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas relevé dans les six points. Le président de la République aussi sur notre plateau, c'était autorité favorable et à Roussel avec la députée Bazala mieux traité. Mais bah député Bazali, bah autorité budgétaire. Trois députés sur cinq n'a pas autour d'un qui n'a émission en campagne. Bazala, il y a eu la nécessité à réduire le train de vie à l'institution. Total, bah, à l'œuvre. Nathan en campagne, justement. Nathan en campagne. Objectif besoin, parce que, d'ailleurs, un député l'a expliqué. 80% du budget, selon ses explications, des Balobara, les alliés au Kende, n'a fonctionnement à l'institution. Mais, bateau, bah, alliés au géré l'institution. Celui qui est au tiens, bah, on a nombre, le côté là où alliés en tant que population. Bah, ça plus de 2 millions, t'es. Mais tu as combien de population dans le cas de plus de 100 millions. Ose. Donc il y a nécessité, il y a des députés, il y a des qui n'a période de campagne électorale. Total, il y a des à lèvres. Peut-être exercice budgétaire ou déjà, et il y a des possibilités. Mais au y a des budget ou dans la session budgétaire, il y a des députés, mais il y a des campagne, dans la l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée est renouvelée à plus de 50%. Tu as un naïf. Tout à l'année, Barossala. Oui, c'est ça. Il y a un abi. Natunionan. Oyoka qui parmi les 24 000 candidats, Bazbatia qui libaya, Mongo qui n'a une base, n'a l'obé que Mongo, Tozora, Toro, mérité aux hommes. Natama campagne. Tous ceux qui sont passés, en tout cas, ceux qui sont passés ici, sur notre plateau, parce que sur le moment, il fallait qu'on mette ma discours mort pour la retirer population. Mingi balobaye que non, il faut quitter ça, il faut quitter ça. Mais tant que vous avez un débat à huis clos, vous avez un pouvoir à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'il y aura ces discours-là. Après, je ne leur en veux pas, mais ce sont les faits. Pendant la campagne électorale, il y a un discours, mon sousou. Tant que Komara likambo avantage na bango, peut-être que ba misusu pe ba oloba, mais il faut tout ça la boy, il faut tout ça la boy. Mais ba ozala minoriser nande mo saranate. Oui bien, un jour na ola na débat. Jean-Marc Kabunda Kabunda. Rappelez-vous non? Oui. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tant wa débat ya budget. Aye olobe la réduction en train de venir l'institution. Merci. Tout le monde a hyper réaction à ça. Voilà. Mais pourquoi j'ai. Voilà. Pourquoi... Non, mais il faut dire les choses. Il est venu parler, il est venu se plaindre du train de vie des institutions. Mais Mingi Batunaki, mais Yomo Koza, premier vice-président, Ozalaki, Pe Ozongi na fonction. To yebi train de vie à premier vice-président, l'Assemblée nationale, avantage à Zarana Yango, O Yazanango, Naba rubrique Nyonso. Et puis, total, les autres, ça l'a boni. Toi, il est train de venir. Je parle de lui, mais je parle de la fonction surtout. Parce qu'après Jean-Marc Kaboun, celui qui est venu, on a parlé de lui par rapport à Yabavantage ou à la Nyonso. Donc, problème est à Ouana.
est-ce que vraiment bah politicien na biso bazan na posa train de vie na bangwe kita. Mais pourquoi je reviens sur bah député tolandaka débat politique na mboka na biso comment on a nengé population à lobara. Président de la République Félix Tshisekedi au matisse salaire à ba député té. Président au matisse salaire ya ba soldat té. Président au matisse salaire ya ba fonctionnaire té. Alors que question on a ceux qui ba média notamment te expliquer population bien ba koki ko tourna yango et pas président de la République té. Parce que président de la République azali autorité budgétaire té. Ba auto bazali na mosala ya kosala été salaire ya ba soldat et ba na komate ezali ba député nationaux ba zu budget ba ebi na kosala ndé ba sala na exercice budgétaire ba matisi salaire. Mais pourquoi population à chaque fois ba lobara président matisi salaire ba soldat té président matisi boite alors que dans ses compétences il ne peut pas le faire comme ça de manière unilatérale ya lobaga sala yango il faudrait passer par bateau bazan na compétence donc ba député bazan na responsabilité discours na bango ya campagne tolanda ki mingi ba lobby ba soldat et toi pays allé agressé, il faut que bongisa situation ba militaire au front. Ba exprima ki veona, to yoka ki bango to kota la paix, ndenge bazali ko se comporter. C'est vrai, ba député belé bazali ko dénoncer train de vie à ba institution sans ko renoncer na ba faveur au balai ko zoa. Bazali ki belé, to yoka ki salaire ya ba député $21,000 dénoncé par un groupe de députés qui ne renonçait pas malheureusement. Wane zali posture au bazwaki, mais ba député Kolandela, situation, il y a équilibre dans la répartition de richesse, et Zali Moussala Nabango, total à Nabango, Nenge Balaka, qui n'a Nenge Barosala, tout en n'est pas qu'aux ala naïf, Nengo précisé, tiré. Batoubazong est la présidente de la République, justement, et Zali pour faiblesse et action à député, et Zali que la décision n'est pas individuelle, la décision appartient au groupe. Et tant que Baébi, qui est groupe, voilà, ils auraient peint dans l'autorité X ou Y, on sait politiquement comment ça se passe. Pour le député, il y a option dans le cadre d'un groupe pour appartenir comme majorité. Et c'est un lien où tu es quelque part. Et que quelque part, on a le bagage. Cette fois-ci, option de lever, c'est que 80% du budget qui est essentiellement dans l'armée. Les options politiques aux majoritaires qu'on soutenir. Mais ceux qui députés à titre individuel, il y a le bien, il y a des aboués, photos à l'union, sopo, dingéjamar, kabunda, salaki, pognon, soyez qui est dans l'armée, par exemple, te réduire train de vie. Azaye moko. Ceux qui groupent Mobimba et acceptent, on a développé option politique et ça les vêtements au niveau à majorité. On reste dans les principes avance, et dans les arrières. On avance, s'il vous plaît. Ça n'apportera rien. On avance. Il y a un exemple. Na Saliboy, symboliquement. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Bon, il y a eu un seul député qui a renoncé, Kouzoua, mais il y a un cadre. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Bon, toi, avance. Ou a renoncé, le baka, Martin Fayou l'a rejoué, il y a un mandat qui est débordé. Bon, question Moussous, Isali, auditrice, Nabiso, et Batouba, ou Senga Martin, Fayou, Asala, et l'article 64, ceux qui va dégager Salami, Batouba, Bimi, Batouba, Koufi, Bango, Bakozoa, Nini. Question Batou Bazou Seng à Martin Fayulu à faire appliquer l'article 64 et puis un des groupes sur le bien à lundi Ayoki que congolais na média misusu bazou sala inventaire congolais bazali ebele basala ba drone basala ba réalisation ebele baliki na média va se plaindre que ba coûte ça ba projet ça sans suite est-ce que Turquie ou sala quelque chose té koyamba bango même n'en parlons-en pour en parler. Bon, réponse Naé, je crois, en partie, Ezali, na briefing, il y a lobby. Oui, lobby, ministre, il y a communication et médias, à Sangisaki, ministre à recherche scientifique, nanani, sous-bagay. Il y a PME. Voilà, na ministre, il y a petites et moyennes entreprises, enfin, c'est pas comme ça qu'on a nommé, nani, portefeuille, ou nana, ordonnance, mais bon, ministre PME, bah, lobby, au moni, exposition Moré Salamaki Awa Nambo Kalambi. Zaki na 2023, président de la République Payaki, Amekimi Touka, c'est-à-dire, inventeur congolais, Zaki pour promouvoir le génie congolais. Inventeur congolais, exposer Biloko Nabango et tout ça, Zaki Salon Moroboué. Le président l'a même visité et à cette occasion, il y a eu un travail qui avait été fait, et dans le ministère et la recherche scientifique, donc, sélectionner quelques dossiers. Il y a congolais, il y a projet et les cas qui lobbyent, pour nous répondre à eux, donc le gouvernement
en a parlé hier et le gouvernement compte appuyer ces inventeurs congolais naba projet nabango naba invention nabango pour technique. On a évalué à 600 millions de dollars américains l'eau et aba projet zala qui retenu na liboso. Bah auditeur rebelle ba sala ka pression et pas président pour banda guerre contre Rwanda. De quoi l'obito tout dans la bango, Nassima Rwanda va payer au Bazaï Simane, Baebani, et bon, Bisho Nangam, Nabisho Banani, Bazaï Nassima. Déjà, on a rien à préciser, pas un déroque. L'auditeur va bien en répondre, ils aient car pression, mais Mingi, Barapé Laka, Balobari, président, Loubaki Boy, à la moindre escarmouche, à Roussala Boy, point à Nina, nous salamité. Parce qu'il aura mal au Baya, président de la République. Si Kobanani, Bazaï Sima, il y a RDC pour nous appuyer, Bisho Nabito. Question d'auditeur, Kassongo Alexis. Bonjour le débat, monsieur Thierry. Où serait l'honorable conseiller municipal de Kinzamvwete, honorable Christian Lusakweno? Ndeko Moussou Patouni na message, ça, c'est un peu plus haut, je vais retrouver cela. Albi Banda Kene ko fete Saint-Valentin, lobi azomo na karaté. Question directe, monsieur, voilà. Mon message naye. Par rapport il y a déclaré guerre. Le ministre Mouyaya a répondu à l'obaye que l'institution Zaki n'a eu en place T. C'est en train de s'installer. Les institutions sont en train d'être installées et on attend que les institutions s'installent définitivement pour que le gouvernement lève une option. Mais Nabanza, et Sengelito Yeba, par conséquence, il a déclaré guerre. Ça vaut pour le président qui l'avait dit. Et pour tout le monde. Ceux qui sont officiellement en guerre contre un autre État, et c'est ce qui est là, sur ma dépense, il y a un sur autres censés qu'on se priver les lots, parce que quand on a récupéré ma belle na biso, et en plus de cela, quand on a une guerre dans un pays étranger, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. En termes, il y a autre quoi engagé comme dépense dans Maramounios. On a habité que ça option bah relevait. Le président l'avait déjà promis. On a besoin d'aller. Mais la conséquence, c'est Ali. Il faut tous se serrer ceinture. Aujourd'hui, l'Ukraine est en guerre. Enfin, contre la Russie qui lui a imposé cette guerre. Mais l'Ukraine est soutenue. Bozomo, on a président Nabango. À chaque fois que aide, tout soutien à Occident et Kiti Mwandambu a obligé à ça l'appel, à ça la vidéo presque tous les jours, toi qui es un boy, Tonini, Tonini. Vous vous rappelez, il y a un débat aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un blocage dans le Parlement, il y a États-Unis par rapport à l'aide au Sengele qui est en Ukraine. Donc c'est tout ça, guerre et Zali, beaucoup engagé, bah, effort, c'est-à-dire beaucoup quand la ceinture. Au lobby, Nzela Tosa, les sociétés, autres Tosa, les sociétés, parce que il faut tout bundasiko. Bah, fond est combien belle. Oui, et puis proximité, n'a vu son pays où tu as vu ton côté dans la guerre, toujours imaginer la conséquence sur Batunyon, sur Bazali, Nzinga, Nzinga. Mais n'a rien à zonger là sur ce que le porte-parole du gouvernement a dit par rapport à déclaration à guerre. On en a parlé tous ces jours, que l'institution est tient en place. Mais j'avais seulement une question peut-être pour lui. Soki Lelo. On ne le souhaite pas. Il est arrivé dans la constitution et Bongisi qu'en cas d'indisponibilité du Namutu Yamboka pour le président de la République, qu'est-ce qui se passe? Celui qui prend le pouvoir pour six mois. C'est l'actuel. C'est le président du Sénat. C'est l'actuel qui s'appelle Bahati Lukwebo. Le Sénat n'a pas encore été renouvelé. Pas du tout renouvelé, mais le Sénat est là. L'Assemblée nationale, elle, a été renouvelée. Mais le Sénat est là. Ouais. Le Sénat est là. Attention. Le Sénat est là. Attention. Bahati Lukwebo prendra le pouvoir. Oui, le Sénat. On dit que les institutions se mettent en place. Le Sénat ne siège pas encore, mais le bureau est encore là. Le bureau attend. Si l'urgence s'est présentée et qu'on avait besoin du Sénat. Les sénateurs qui sont encore là seront convoqués. Je suis d'accord. Parce que le Sénat est là. Parce que oui, mais l'Assemblée nationale, c'est quoi? L'Assemblée nationale est là, le Sénat aussi est là. On ne va pas dire que les institutions se mettent en place. Oui, mais Mais il faut préciser en termes de légitimité. Il y a une procédure. Parce que l'Assemblée nationale a été mise en place, des députés ont été élus, c'est vrai, mais la procédure de leur installation définitive. Est-ce qu'on peut se rappeler de ce qui s'était passé entre 2011 et 2018? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les Sénats n'étaient pas renouvelés. Les Sénats étaient renouvelés en 2018. Mais oui, mais c'est quoi le problème? Ça signifie que le Sénat était le débat, là. Le débat n'est pas seulement au niveau du Sénat. Pour y avoir le Sénat.
Bon, dans le niveau de l'Assemblée nationale, l'institution, ils ont déjà en place parce qu'ils ont un bureau, ils ont géré. Dans le niveau du Sénat, les Sénats, ils ont. Ben, il y a un bureau, Lille. Au provisoire, mais rodage. Merci. Ils allient. Christian Lusakweno, bonjour. Ah. Au bon là-bas. Retard, ah, si. Bonjour aux auditeurs. À vous, je ne vous salue pas. Mais je n'aime pas la manière à laquelle Bozo Sekamoto Azala qui candidat à l'élection communale à Zuité. Est-ce qu'on a salagi en campagne à l'élection communale? Non, mais il ne faut pas se moquer de celui qui n'a pas réussi. J'étais dans quelle commune? Dans tous les cas. Comment on dit? On dit comment? J'étais dans quelle commune? Quelle commune? Il y a le qui nous a envoyé. Ce n'est pas moi qui dis, c'est un auditeur. Ah, c'est que. Non, bonjour à tous, merci d'être là. Merci surtout à ceux qui nous suivent très nombreux. Je n'étais pas en retard, j'étais en mission pour la radio. Ça, c'est aussi les impondérables des retours après de longues semaines d'absence. Beaucoup d'administrations à récupérer. Et heureusement pour Thierry Kambundi, Nazo Alejeyena, Nounamakamoussou Soupo, Lobby, Lokola Tozalaki. Na IGF, na Monsieur Alingé Tenkei, Alela Kingao, Alembi, Foison Andaku, Folobina Tongo, Buena Boe, Moya, Asa Lakuna, Ezate, Yango Bomonaki, à l'heure, Lelo, Thierry Kambundi. Tout le message, Boutique Lagibiso, n'a répondu. Je peux répondre à une question que vous avez posée? Oui. Laquelle? Rapidement. Laquelle? Attends, on revient sur la question. Yo Moutolobi, oui. Question. Tout le message, David. Non. Voilà. Bonjour, Trésor. Bonjour, Rosé. Bonjour Thierry et bonjour Christian Lusakweno. Na komo na ngai fafa ndenge mina parti la ville Chikapa. Thierry, nous tournons notre tour dans la congé la biso et le coning. Ou bien baso banga nini pour la biso pour toi attaquer Rwanda, pour attaquer la Rwanda. Baso banga nani na monde. Et moi je pense vraiment baso banga nani. Pour attaquer la Rwanda tout ma Rwanda et ça va pas sinon ça se passe même ma kira ba komo zo tanga na kacha est moka la biso. Le deuxième na tu na Thierry. Est-ce que Alessi, quand moi, Makenda, ancien président du Sénat, Kenda, Tayoka, la raté, Akenda, Wad, et puis Thierry, Nagapour, on a vu ça, on a dit le bien, on a répondu que les débats dans les minutes samedi, on a dit Nagapour, pour la bonne, vraiment, on s'est fait le débat dans les minutes samedi, merci de pour vous. Ce qui est loin de décider à assez balafé. Ayoki Makamonassa, c'est à quoi il s'était guère. Boni, à moi, ma petite machine, comme on a est. Ayoka, voté, ils avaient la bête, ils ont mal. M'balif. Mais Makambo, oh, il est pas bon, il a mis sur la fiche, il a pas de gouvernement, pas de militaire, au soldat. Ayoka, il a la bête, tout en an. Ayoka, la moitié, il a la fin de guerre. Allô, bonsoir, les débats. Elle est vers Tamboué. Elle a double salaire. Elle a une députation nationale, une députation provinciale. Qui est en train de se faire.
Sabandeko, Christian de Sassone et les autres. Donc, l'occupation dans les abeilles. Est-ce que ma poubelle ou les accords là? Il faut qu'il y ait un autre la ministre de la Santé parce que le message n'a pas été quitté. Même le ministre de l'Environnement, ou bien travailler ici, il y a un travail en partenariat. Est-ce que bah qui cause ça va pouvoir on a tenu dans cela on a tenu bah basalité bah déchets on a mis sur autour ils auraient 10 tonnes par jour ça c'est ça les lacs et quand on a juste on a quand ça va poubelle pour bah qu'ils nous voient quand on a placé mais les mis balé est-ce que vraiment nani général nani ilimbalimba aye bah que bah policier bah comment qu'il y a misala dona ba suicide yotu na ba kisango na ba musique ah tuzo ba likamba ba colonel et tout et tout mais si ko ne ba na ba kisango na ba musique si ba ka na ba kolala ko kime kota na mboka bengre biso ministre de l'intérieur Peter Kazadi aya na top Congo aya ko répondre biso oyo adejo aya ko répondre biso satia ide pense lobini le peuple d'abord et lumière ba nini elle bi ça veut dire le peuple azala likolo ya makamunyoso mais le loye a libéré la police ba nyokola peuple ba boto ba moto ya peuple la kati ya Gombe est ce ya a mona ke exemple chef de l'état azole kala kati ya boulevard toka moni voix PC azole nyokola peuple a tele makabo ya ba nyokola peuple mais ye toi disais za moto ide we PC ya solo a nyoko a tindi police ba nyoko ka pepe mikulu nyoso ba nyoko ba boto ba moto ya pepe ba zo soufri bo benga biso ye to tuna estatia ide pese le binini le pepe d'abord ele olobini ele binini yango de benga biso ye to tuna ye poto zo akimia malam merci de ba allo topo allo topo merci pour la initiative oyo ozui ko bengisa patron ya ministère na biso na émission na le débat biso ba minga ngatoza encore très heureux na ndenge chef de l'état a tele bisibasi na biso ba maman na biso maternité gratuite oyo ko bota to yebi ndenge pasi ya ko bota ezalaka to yebi la risque ya ko bota ndenge ezalaka mais biso to limite lo baboye na zamunga na salaka na hôpital ya armé di sali bomoyi tolingi to na lingi oyo nga na propose ezali boye mongo oyo tozoyoka bazofuta biso sans motivation toyebi ke mosala nyonso tout esalemaka mpenza kitoko te malgré conscience ya mosala ekozala mais sans motivation nesinga na siki ndako nanga nzala mosala vraiment moto akosala mosala avec motivation te alors tozoyoka bamongo neti bozofuta biso epa bakonzi na biso bamongo wana biso tozomona ngo te jusqu'à présent alors si ya moyen bosponolisa chaque personnel compte na ye oyo peut-être ke so bofuti tomona yango na bakonte neti ba mpesa na biso ba orange mani na biso ezala mpe bongo alors ini notre parti oyo ekosikala nde bopesa ngo na ba gestionnaire na biso po bayeba ndenge nini ya kosomba ba intrant mosusu ba materiel mosusu oyo ya fonctionnement nkombo nanga fisifis de papa nabengi bino mpo nayebisa bino makambo ona ezomona na kimbangu de presidema na wenza ngunza eza basoda moko bazotambola parti ya 18h 19h 20h bazokanga bakutananga na mwana mwasi mwana mobai na nzela bazokanga bango to bakei nayo na biro amanda basenga ya 100 000 50 000 mais ka na se na biso akalamu awa bakuna bazobunda bazobomana bango kuna bakomaka te mais bazobanga parce que kuna bakuna bakiozokisa bango bakusu bokutani nao ka na nzela bakanga motifu eza te okangelinga motifu nini ezani na sengi pa général tana biso likambo oyo. Ouais, bonjour tout Congo. Na bengi depuis Congo central, précisément na Boma, na Ikavi. Na bengi kotisanga tout droit na ndako ya chef de l'État, na ministre oyo ya ici. Yango likambo ya Frères Académie, bozozela tobima na nzela, komiso tosala komisa bozwa décision. Frères. Ane pasto uti na seti ya siku na seti mi. Ane ombala moko epumbwe na 1 200 000. Papa boyo ke rabiso pe marako. Le pepe d'abord yango yo.
université, mais actuellement, na Congo, c'est difficile pour les étudiants, parce que chaque année, ma campus est pour moi. Papa, donc le chemin, pardon les débats, bonjour qui sont messages. Merci, Père Boulot, madame, dans les débats, vous allez radio, vous allez ça la pour la mingi, pour la bise au peuple. Merci. Bonsoir, Top Congo. Message Nanga, Isabou. Vous bien, la sévèse, la commune à Bombo. S'il vous plaît, vous bien, la sévèse, la commune à Bombo. Vous tournez comment bise au bateau à Bombo. Kobananama, bisou dans la cabine Oyo, et va à face ya parce qu'on va bien la par masse. Kouma, tout le temps en courant, à chaque fois, pour un souper pays, courez-vous à la bisou 23h, 0h, 1h, Bolali, 5h, courez pays. Mais farci, ils ont eu à cher, ils ont fait avoir facile, ils ont bénéficié d'un courant. Bobine, la 16h, il y a boum, il y a commis un boum, 16h, il y a commis un boum, Azalina, Avenir Mawanga. Ou bien naïe, ou tout naïe. C'est pas que mon tout haut avait géré cabine à l'issue à courant. Mais avant mon tout haut, il y a eu des solutions mutuelles ici, TVS à Coca-Caïti. Depuis courant, depuis lobby, courant totalement massé à la Ligue des Champions. Les lots, courant depuis que les 17h du matin jusqu'à présent, pour les invités. Non, pour faire un message pour nous, n'a pas dit pourquoi aboué, dans la commune à Bombe. Dans la commune à Bombo, à venir donc. Bonsoir, les débats. Les débats, c'est ça, papa français, hein, à Malouika. Dans Gali, mon Malouika. Papa, awa, tozana moi, c'est Zemi, awa, à Kinaka, Kilo, na Bamater. Hôpital à Bamater, mais dit qu'est-ce qu'on est, au bisou, pas ministre, ministre, au Baki, ni en César Kraki. On a trois personnes, il y a basi misato. Au bazo singa bangombongo ba singa bango ba 10 francs et soki mo sa boti bazo singa ka 10 dollars soki mo sa kuti kuna na kilo soki abimi ba bisege non a obimi bongo kolobelo kuti to dans la 13 ya basi ba taze balobi ke mwana kilo ya carte ya mwana ya kilo il faut mwana pe ba pe sa 18 000 francs pour mwana ba na kilo pour mwana botami et bref moko mo si moko ye awa na zane plat. Papa, biso a kabongo. Donc, ma lueka, la ma sœur, bon, tout ça va tout bambongo. Peso, boti, il faut 18 000 francs pour la carte à kilo à moi. Ça, quand tu bambongo à batouma. Donc, pardon, boi, débiso, boi, ça va mourir. Ah, on arrive dans ma lueka. N'angalie, ma na ma lueka. Ça va ma sœur. Bazo fouti, ça va tout bambongo. Ya bo pigé, ya paternité, bidola. Bonjour le trio, Nabengi Bino depuis Congo Central, Monsieur Adolphe. S'il vous plaît, beaucoup de Tangaï Nanda Kouya, président de la République. Monsieur le président Félix, bonjour. Vraiment, Monsieur le président, nous avons un souci, ma casse, pour Namboka Nabiso Congo. Par rapport à la place Oyo, Bande Konabiso Bazoyokana Est. Mais dit que Congo est une église et délai des milliers d'églises. Est-ce que tu peux organiser et le comment côté na stade ba église nyoso to sangana to plaque sa likambo na biso et pa ya nzambe to tala nzambe oyo ko ba congolais bazo sambe la soki ya ko agir ou bien ko agir te. Ya mi balé monsieur le président biso to sepeli ko vous savez là qui n'a pas été voté qui est au législateur un deuxième mandat. Et c'est un examen qui n'a pas été malade. Ce cas, c'est le cas où, comme c'est le président, l'Union européenne, les Américains, les Français, Bangonios, Banglais, tous ceux qui sont en train de faire des allées distractions pour vous distraire, monsieur le président. Vous savez là qui n'a pas été voté qui n'a pas été voté. Le président Moussou, Oyo Baouta, qui a fait un coup d'état en Afrique, Oyo Bakoti, en Gamba Poutine, j'espère que Bazana Mouakimia, par rapport à Bissou Batouzambi, ONI, na Union européenne. S'il vous plaît, monsieur le président, la Moussa Esprit, au Talalikambo, Oyo Malamu.
13h à Kinshasa, l'heure à laquelle nous faisons le point de l'actualité. C'est aujourd'hui avec Christian Loussa-Kweno. Merci beaucoup Thierry Kamboundi. Il est 13h sur le 88.4 FM. Nord Kivu, principaux titres, accalmie relative observée sur presque toutes les lignes des combats dans le territoire de Masisi. Les FARDC qui consolident leur position à Sake et à Buremana, non loin de la localité de Chacha, contrôlée par l'armée rwandaise et le M23. Depuis le week-end dernier, deux soldats sud-africains de la mission de la SADC ont été tués et trois autres ont été blessés hier. C'est la Force de défense nationale sud-africaine qui l'annonce ce jeudi dans un communiqué après qu'un tir de mortier ait touché une base militaire du contingent, causant des pertes et des blessures parmi ces soldats. Événement à l'UDPS, 42e anniversaire. Cette formation politique fondée par un groupe de parlementaires à l'époque du maréchal Mobutu, c'était en 1982, commémore donc cet anniversaire. Aujourd'hui, les cadres et membres de l'UDPS qui se fixent comme rendez-vous, la cathédrale Notre-Dame du Congo pour un culte d'action de grâce. L'UDPS qui a passé trois décennies dans l'opposition avant l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi qui a de nouveau prêté serment pour son second mandat le 20 janvier dernier. Magasin fermé et activités perturbées ce jeudi à Kalemie, province du Tanganyika, action initiée par la Fédération des entreprises du Congo qui dénonce la multiplicité des taxes au port ainsi que sur plusieurs axes routiers. La Fédération des entreprises du Congo FEC révèle que 27 services perçoivent les taxes au port où l'on devait voir les agents des quatre services reconnus. Selon Jules Moulia, président de la Fédération des entreprises du Congo, c'est depuis plusieurs années que les opérateurs économiques se plaignent de l'existence de plusieurs services qui perçoivent illégalement des taxes. Et puis on termine avec cette nouvelle. Le gouvernement congolais envisage de créer des millions d'emplois grâce à l'entrepreneuriat. Rien de nouveau. Cependant, aujourd'hui, le ministre de l'Entrepreneuriat et des PME dit, lors de la présentation des résultats du conclave du génie scientifique congolais, il dit qu'une seule entreprise peut générer des sous-entreprises pour donner de la valeur ajoutée à certains produits. Désiré Nzinga estime qu'il faut environ 600 millions de dollars américains pour mettre en œuvre les 45 projets innovants retenus et 300 millions de dollars pour financer l'entrepreneuriat dans le projet du concours du plan des affaires. Objectif donc, création des emplois, des millions promet le gouvernement congolais. Rappelez-vous, c'était une promesse de campagne du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà pour ce qui a lieu de dire des principaux titres. Développement 13h30 avec Roger Kalala Miouta. Pour l'heure, l'émission Le Débat, ils sont autour de cette table. Thierry Kamboudi, Ouzeman Zanza et Trésor Kiyombo. Alors, les questions, la suite des questions des auditeurs, Trésor Kiyombo. Voilà, question au ministre des Sports, Riti Louvombo Azongi, mais est-ce qu'il va s'assurer que Azali n'a poisonné, regardez tout ce qui s'est passé. Non, je pense que Louvombo Azali, Mokolo Azali est responsable et que il a certainement eu à échanger avec son entourage, ses proches, Nabato Nyoso, et que voilà, s'il y a des dispositions à prendre par rapport à cela. S'il y a des contrôles à faire par rapport à cela, Rosalengo, j'ai échangé avec lui hier. Il a dit qu'il se sentait bien, sauf que Azaki fatigué parce que Azalaki apema ki mingité, yangwala lelo a été sino te tonga to zana ende lelo to zana e lobby. Donc voilà, je pense qu'il est conscient de tout cela quand même. Question aux députés au Parlement congolais. Est-ce que Mibeko Moko Ezali ou Ezopi qui s'a tout érigé mur entre Bissona et Rwanda? Kakambon on exangi. Mais Mobeko Atam mon côté, vous avez vu, les Américains l'ont fait entre le Mexique et les États-Unis. D'autres pays l'ont fait hier entre les deux Allemagnes notamment. Donc, Lokomoko Pikisamite, aussi un autre pays. Bon, on a volonté. Bon, la volonté, c'est une chose. Mbongo, c'est une autre chose. On peut avoir la volonté. Oui, mais attention, pour avoir la volonté, il faut déjà avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, c'est faire un mur, ça sera beaucoup d'argent. Vous imaginez pas. Est-ce que bon, combien? Non, c'est, on parle de millions de dollars. 506 millions de dollars américains, selon ce qu'avait annoncé Adolphe Mouzito quand il disait. Oui, mais bon, 506 millions, ça c'est pour combien de kilomètres? Pour ériger frontière, il partait du sud Kivu jusqu'au nord Kivu. N'a pas parti, ni au sud de Zali qu'on partageait frontière. Alors, Donald Trump, pour le faire, il n'avait pas encore l'argent. Oui, mais Donald Trump, pour le faire. Il avait promis. Oui, mais Donald Trump. Comme candidat. Oui, mais Donald Trump. Il est devenu président. Bandi Osengambo. Donald Trump est dans un pays qui n'a pour qui un demi-milliard de dollars n'est rien.
un demi-milliard de dollars au Congo, c'est 500 kilomètres de route. Alors imaginez-vous c'est que... Rien, mais il a eu du mal à mobiliser l'argent pour ça. Oui, il a même eu du mal. Mais lui, ce n'était pas 506 millions seulement. Lui, c'était des milliards. Lui, on a parlé de dizaines de milliards. D'ailleurs, dans sa communication, l'ancien Premier ministre précisait qu'il faudrait 163 millions de dollars américains pour la partie qu'il jugeait urgente, la partie urgente où crise des Ali, notamment du côté des Rutshuru, Masisi et les autres. Et puis à partir de Mossoussou, il avait évalué à 159 millions de dollars américains. Alors imaginez-vous, on a parlé hier avec, vous l'avez suivi avec Jules Alinguete, on a besoin de trop, on va avoir 624 millions de dollars pour cette année. Sur des projets d'un milliard de dollars. Donc c'est sur ces 624 millions de dollars qui vont servir à la construction de routes nationales qui pourront permettre certaines choses, plus d'échanges en tout cas. Vous allez mettre ça pour un mur qui ne va permettre aucun échange. Maintenant, il faut, en termes de priorité, savoir Drotiambongo, alors que solution, il y a Est. Solution, Moussou, c'est Ekoï, comment on en a, plutôt que mur. La frontière entre la RDC et le Rwanda s'étale sur 217 kilomètres. Makassi. 217 km à construire. Pour faire un mur. Pour faire mur en béton. Alors que. Parti Moussous Pézala qu'il faut. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait, 87 km avec Yalak. Voilà, bon, ça. 87 km Yalak, toujours partagé. 60 km Zali, parti montagneuse, montagne, tout ça. Donc, ça demandera investissement et bélé, mais c'est faisable. Comme c'est calculé, on peut s'y pencher parce qu'il y a parmi les solutions intellectuelles congolais proposées. Mais d'accord, mais le problème, c'est ça. Ceux qui sont déjà. Efficace comme solution. Ceux qui sont déjà à l'intérieur. Oui. Vous en faites quoi? Mais réfléchissons par comparaison. Ceux qui l'ont fait ailleurs, est-ce qu'il y a une solution? Il y a un problème Bazalaki Nango. Bango, Bazalaki, qu'on maîtrisait les deux côtés. Moutou, côté, Naé. Et souvent, on fait des murs. Allemagne, souvent, on fait des murs. Pourquoi? Pour empêcher l'immigration. Nous, ce n'est pas l'immigration, nous, c'est les. Non, pour raison de sécurité. Pour raison de sécurité. Oui, mais c'est des raisons de sécurité d'immigration. L'immigration, c'est sécurité. Attention, immigration, c'est sécurité. Oui, mais sécurité, pour l'Allemagne, ce n'était pas seulement pour et Israël n'a pas la division, ma immigration, la séparation. Surtout en ma sécurité. Oui, du moment où nous aurons... Mais eux, encore qu'Israël et Palestine, c'était pas, ils n'ont pas fait un mur à leur frontière. Hein. Ils ont fait un mur dans le pays des autres. Il y a un lobby. Donc voilà. Mais c'était pour raison de sécurité. Du moment où nous aurons bah nombre de kilomètres on les allait clôturer bah caméras ont surveillé on pourra voyez bah ici canini dans les zones bandes les allées dans tous les cas ce n'est pas à l'ordre du jour non ce document, le document que j'ai lu. Donc, on sait où ils entrent. On les voit entrer. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Et puis, Mir va beaucoup arrêter. Mir va m'attendre en route. Bon, ça va, c'est bon. C'est bon. Arrosons-le là-haut. RBF. Il y a les provocations et bandits. Trésor. Oui, parce que toi, il va rater les lots. Donc, moi, il l'a vigné, toi. Et voilà, moi, quand tu dis, moi, tu n'as pas l'ingé, moi, tu as ça, quand on a un cours d'ordre militaire, à la civile, avant d'en arriver ici, comme encore, mais à chaque fois, j'ai une compréhension dans le quartier, à Rokangisa Moto, à Mémi et Kuna, à Béti et Fimbo. Est-ce que pour ça, la Rakuna, nous avons un droit à se comporter bon, à Rouna Fundae, Wapi? Non. Déjà chez eux, la cour d'un militaire, de le quoi, à civil, la civile, mais ceux qui ont fait intervenir, il y a Mampinga, pour terroriser Bino, c'est qu'il y a participation des militaires, et donc c'est la cour d'ordre militaire aussi. Oui. Il n'a pas le droit, et d'ailleurs, même, Bato et Obazali n'a pas responsabilité à Nengwana, il y a le Nengwana, Baza, plus de responsabilité. Ils doivent être plus sérieux dans ce qu'ils font que les autres, parce qu'ils doivent montrer l'exemple. Question au président de la CENI, livraison des duplicatas, problème économique qui s'est posé dans la maison communale, surtout ceux qui combinent les aïtés d'un fichier électoral. Une dénonciation et question à la CENI. Et puis question Moussou Soutouzouban, à Nini Poto attaquer Rwanda. Est-ce que tout ça a ma coquille? Je crois qu'on en a parlé. On l'a évoqué. Question Moussou Zaki Tamboué Mwamba, Alexis Tamboué Mwamba. Akenda Wapi, ATM. Azaïn à Kinshasa. D'ailleurs, il y a quelques semaines, quand je suis revenu de Bruxelles, Tozaki Naé, l'avion, et il m'a dit ça.
disponibilité à faire une émission parce qu'il a des choses à dire. La tuna qui est pour information, mais le cola bino pour participer à l'élection T, ça veut dire et s'il y a le binanga, je suis prêt à parler. Donc disposition aussi, en cours de disposition à prendre par le directeur, enfin le chargé de mise en place des émissions. Mais d'ailleurs, il faut rappeler que sorti n'est à Soukawa Salakizala qui sur des dossiers, il y a Moïse Katumbi, l'affaire passeport, mm-hmm. et on a sorti à Soukawa Salakina en décembre d'ailleurs. Ouais, ouais. Mm-hmm. Oui, c'était démenti. Bon, de quoi le bien ça pour que M. Kennedy samedi, tout le bien, ils ont proposition. Ils ont proposition. Ils ont proposition. Ils ont proposition à examiner. Non, non, moi, le métier qui est à proposition. Non, non, Eza Bosenga ya Molandi. Maintenant, il faut tout. Il y a ceux qui proposition go moi, Kosalango Izali, parce que Thierry Kamundi, il est très favorable à prolonger. Là, tout aussi, tout ce là qui envoie ses pélango. Mais maintenant, c'est la faisabilité de la chose. Mais ne pas dire directement, c'est Eza proposition, Tokobet a dit son langue. Non, non, non. Dans le Baiki, c'est à examiner. À examiner. Oui, oui. Bon, président le Baiki, ceux qui Rwanda, Bameki, Torugunda, Poani, Tozobundate, président Zoumou, Natende, Bazbatake, on a évoqué ça. Voilà. Et puis, question au député Les Antamboué. Donc, Azouzoua double salaire, la nationale, la provinciale, pour jour, il y a plénière à Kendaki, à Rouzaba Fré, l'installation de partout. Il faut savoir, il faut savoir d'abord que les députés, qu'ils soient membres de l'exécutif ou pas, ils ont 8 jours pour se prononcer. Parce que Mouto, il y a un membre exécutif, il y a un ministre, mais par exemple, il y a un bon, je ne peux pas, valider, Natiki suppléant Nanga. Les par exemple, ceux qui, par exemple, le trésor qui ont boile, et Azala candidat, il est élu, mais il a lingué Kotika dans le journalisme. À le binon, j'ai. Ou bien pour validé. Des raisons de santé, pour non, barrage, pour quelques raisons que ce soit. Et donc, il faut qu'on attende d'abord qu'il se soit prononcé avant de dire qu'il touche salaire. En attendant, personne ne touche salaire. Mais seulement dire à ce niveau que local Azali l'Assemblée provinciale à Kendaki l'Assemblée provinciale à Kendaki l'Assemblée nationale il joue des avantages liés non pour le moment non de part et d'autre oui. Non ceux qui m'appellent si comme député à Rouzoua ceux qui m'appellent si comme provincial à Rouzoua non il a la disponibilité de jouir mais il ne pourra pas jouir des deux parce qu'on ne peut pas être député provincial et député national non je précise un peu Christian Le Sakouen on ne peut pas être actuellement Christian Le Sakouen puisqu'il n'a pas encore décidé non de quoi jouit-il aujourd'hui aujourd'hui ils n'ont pas de salaire première plénière au Salema qui l'Assemblée nationale il y a des primes données c'était également la même chose d'un niveau Assemblée provinciale pour la députée Otomoni. Et surtout, s'il vous plaît, trésor. Mais Osiasi Sanan. Ok, mais Osiasi Lisa. Non, on a compris. Mais aujourd'hui. Mais si c'était. Si. Mais aujourd'hui, il y a. Mais aujourd'hui, c'est la faute à qui? Il avait faim. S'il est dans les deux cas. S'il est dans les deux cas, c'est la faute. Si, c'est la faute à quelqu'un. C'est la faute. Législateur. Non, c'est la faute à ceux qui l'ont élu dans les deux. Maintenant, il a le choix. Attention. Mais aujourd'hui, maintenant, il a le choix. Batumusu Bazaro le non, Bato Bazo Lingab les deux. C'est non, mais il a un choix à faire. En attendant, il profite des deux. Oui. À Yibité. La question est à qui? La question est à qui? Salaire. Salaire Bazuité dans les deux côtés. Et l'euro Bazuité à qui prime pour la participer à qui? Salaire Bazoya Bato Bazo valider ba mandat. Ce qu'a validé l'Assemblée provincial a revalidé l'Assemblée nationale donc bah au foot à moto bah revalider mandat nae nesika nae mosusu a rutika moko obligatoirement mais il y a un marambo de soloban donc le fait que bah députés nationaux bah que la plénière est libosso faut pas prime. Et ça, c'est sûr extraordinaire. Et alors? Mais ça, c'est la réglementation. Excusez-moi. Au cas de débat, il y a Jean-Marc Kabounde, Zalara sur le montant qu'on alloue. L'organisation, il y a. C'est sûr extraordinaire. D'ailleurs, le bureau Mboso, tant que Bakotaki, Bakizara, Bango, Papa, tu FCC à Kala, il y a Bassé, Bango, Bébélé. Na Bossanité. Na Lobby, Bozo, trouvez-vous normal? Papa, malheureusement. C'est pas normal. Comme la décision d'hier, quand on débattait à Bamouta, les arts règlement donc Bazui décision là il se venge hier parce que j'ai vu hier vous l'avez là il se venge hier là, il non, on rappelle les vrais non écoutez je l'ai dit non pas pour me venger de quoi que ce soit non c'est lui qui se venge d'hier moi je l'ai dit il avait juste rappelé les principes que je rappelle aujourd'hui ok en fait Osé je ne le dis pas pour contredire un quelconque principe. Mais je le dis parce qu'on a eu ce débat sur le train de vie des institutions dans la première partie de l'émission.
yango la lobby, est-ce que c'est normal? Parce que au moni Christian Osakono, problème ça que na mboko ba problème ça tellement belé que il faut parfois minimiser ba charge misusu. Hein? Mais toi, et ça, mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est question d'opportunité, c'est question de bon sens, simplement. Bon, Moutou, Aza élu à Kalemi. Il doit venir de Kalemi pour participer. Ouais, alors il a battu campagne comment? Papa, il vient maintenant dans une charge qui nécessite. Dans une charge de l'État, mais c'est clair. Oui, mais l'État va le prendre en charge. Il a été élu. On sait combien vous coûte un billet pour se déplacer des s'il vous plaît. Il a été élu. Il vient ici. Moi, mon problème, ce n'est pas que au foot, par rapport au foot. Non, aux autres, c'est ça le problème. Baroufoutaï, l'État Roufoutaï. D'ailleurs, Bazoua a rappelé frais d'installation, non? Oui, oui. N'a noté. Bazoua, Bazoua, Bazoua. Oui, Bazoua. D'ailleurs, il y a déjà un débat sur ça, parce que les montants qu'on avance là, les obima, ils sont bien. Bazoua a frais d'installation. Mbon au pé belé. Mbon au pé oyoke. Ah, tout qui n'est pas tout ça, mais pas il faut. 500. Et c'est-à-dire que Baponi Bino. Barofuta bino salaire morosso total et niveau na moyenne à ça. Non, ce n'est pas question de populisme. Je suis désolé, Christian Osakono. Ce n'est pas question de populisme. C'est question de réalisme. C'est-à-dire que tout ça est la conclusion. Bah dirigeant yambo kanabiso. Bah politicien pardon. Bah politicien. Bah au sala au isa intérêt na bango. Au isa intérêt na bango. Bah au privilégier yangoka. Au isa intérêt na bango. Bah au longola ra yangote. Même ceux qui sont passés dans la campagne nous dire que ngaiko tout salaire faut à 3 000 $ tant ba kangara ba caméra ba kota na wiklo, peut-être que ce sont les ceux qui revendiquent le plus. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont tant ba rubrique na ba avantage au batou bazoir. Je ne parle pas que des députés, même ba ministre. Ministre ba nommé au côté en fonction ba payer aux frais d'installation. Alors que salaire na yo déjà et ça, il y a qu'on vieillité dans le salaire. Oui, mais en plus de ça, président Félix a tout l'air qui est au bout. Président Félix a tout l'air qui est au bout. Le mec qui est Thierry Kambouni. Ce qui va passer au bout. L'Obapé m'a emballé en avant. L'Obapé, Lili. Avant, il y a un moment. Avant, pas l'Obapé. Avant, l'Obapé. Non, c'est-à-dire. Non, l'Obapé, ce qui va passer au bout. Je vais répondre vite. Ça choque. Ça choque ceux qui ne le savent pas. N'a pas si réponse. Non, non. Osez, je réponds. Ça choque le bon sens. S'il vous plaît. Dans une société déséquilibrée, je réponds, en termes de répartition de la richesse. Clairement, depuis 2018, j'ai été sollicité par des regroupements politiques. Enveloppe sur la table. Dans le bas, nous avons un gazo kangai. Depuis 2018, là encore en 2023, pendant le dépôt des listes des candidats, j'ai été sollicité encore, enveloppe sur la table, pour n'a qu'un candidat député. Par qui non, non, le bâton. Pourquoi? Mais je le dis, c'est filmé, ça va rester. Ouais, ceux qui m'ont sollicité, et Bazaï Bélé, enveloppe sur la table, s'il vous plaît. Et ce n'était pas un petit montant. J'ai dit, je veux rester journaliste, et je suis resté journaliste. Il y en a beaucoup qui ont dit, Thierry Wana d'ailleurs, à Rosa, à Okende. Moi d'ailleurs, un ministre, d'ailleurs, je vous avais dit ça. Je suis là, mais je n'ai pas pris cet argent. Je n'ai pas pris cet argent. C'est la pré-publication de la liste, voilà, motivation, c'est à la carambongote. Parce que... Mais bon, Bino Boza... Non, mais c'est trop. Je suis juste en train de dire que c'est trop. C'est trop. Plénière à Liboso, prime. Non, Thierry, c'est trop. Mais moi, on ne m'a pas encore proposé, hein, moi je dis. On dit mal. Mais surtout, d'abord, une élection communale. J'ai encore 5 ans pour me préparer. Trésor Kiyombo, parce que Thierry a abîmé la mission. Donc, Trésor Kiyombo. Pourquoi je dis Trésor Kiyombo? Les messages, vos messages. On lit le message quand même. Salut le débat, une question à M. Kadima Alasseni. À quand la paye des membres des bureaux, des compilations locales, donc des MCLCR? Centre local de compilation de résultats. Le paiement de ceux qui ont travaillé dans des CLCR. Voilà, bonjour le débat. À quand est-ce que le NIP va démarrer le recrutement, M. Aristote Onien? Le recrutement à l'ONIP. On va poser la question à l'ONIP qui nous avait contacté pour parler de l'identification de la population, mais qui depuis n'est plus revenu vers nous. Mohamed Thierry a ébagué dengeni ni que montant za ke belé na mona ki volume et enveloppe et puis ba yese nga montant. Montant na soro yo ki ango et obet so mwa mutema. Ils ont communiqué. Babaye na ngai o te o yanga. Ah OK. Babaye na ngai o zoa o banadea o préparer campagne. Et c'est combien? Ana tena lo baté. Ana tana parti
à disposition monsieur pour candidat nous sommes partis au PSA. Bonjour, voilà. Bonjour le débat. Les dossiers héritiers Louvungu nous a aidé à accéder à une information cruciale qui jusque-là était méconnue. C'est que jusque-là, l'ambassade de la RDC au Rwanda est ouverte et fonctionne contre toute attente, à contradiction totale de ce que voulait la population à Kinshasa. Qu'est-ce que cela veut dire, Ben Yamabo? D'ailleurs, le président, au cours de l'émission, je lui avais posé la question, il avait dit non, il n'y a plus de relations diplomatiques. On l'a dit ici. Ouais. Or, il y a l'ambassade. L'ambassade, même ici, à Kinshasa, on en a parlé. Ah, les Rwandais sont aussi ici. L'ambassadeur n'est plus là. L'ambassadeur n'est plus là, mais l'ambassade est là. C'est le chargé d'affaires qui est en poste. Bonjour Top Congo FM, Thierry, je te donne raison par rapport au problème du train de vie des institutions de notre pays. Le grand problème, c'est que les autorités qui sont au-dessus de ces institutions, au lieu d'être présents, au lieu d'être présidents des institutions, et ils sont au-dessus car ils n'ont pas besoin de revoir à la baisse le train de vie des institutions. C'est comme les présidents qui t'avaient posé cette question, si c'était toi, tu accepteras de réduire. Bonjour le débat. Pourquoi Augustin Kabuya traîne à consulter les députés afin de dégager la majorité? Il est en conférence de presse pour, ce matin, non? Pour une mission d'un mois seulement, non renouvelable. Une semaine est déjà passée depuis sa désignation. Qu'est-ce qui bloque? Merci Jean-Pierre. Mais c'était à 10h, non? Monsieur Jean-Pierre, non mais Christian Sakona, Atakuto Angwezaki, Atakuto Lelo Linga Lobate, il traîne par rapport à quoi? Mais ça, il a été nommé depuis combien de temps? Ouais, mais bon. Une semaine. Il a été nommé depuis une semaine. Mais attendez. J'ai vu ce débat sur la mission toile. Mission de 30 jours. Bah, PCM mission, il y a 30 jours. Pourquoi il doit renouveler? Oui, mais ça, bon, c'est constitutionnel. Bah, PCM mission, il y a 30 jours, renouvelable une seule fois. Au bout d'une semaine, bah, tu vas lobby qui a traîné par rapport à Nini. Parce que. C'est au bout? Non, mais c'est au moment. Oui. C'est là où je parle tout à l'heure, tu nous prenais la tête pour une histoire de haut, de prime, d'installation, tout ça. Papa. Le PCR va s'y basali, l'UDPS va s'y basali. Banane va basali. Non, PCR, oui, mais PCR, bah, non. Oui, oui. UDPS, résultat est bima. Oui. UNC, résultat est bima. Mais partout, on connaît. MLC. Mais tu le vois tous, c'est fini. Mais ils ont la moitié, non. Ils peuvent y aller. Christian Lusakono, Papa Roger, quand elle a lancé matin à la rédaction, à lobby, l'informateur a rien à besoin, à carton, à papier. Mais c'est tout. Non, n'a pas si réponse pour dire que Aza, dans les délais. Tant que Moutaza dans les délais, Bino Bolobi a traîné par rapport à quoi? Mais a traîné. Aza dans les délais, mais non, il pouvait aussi travailler pendant au bout de 5 jours à celui-ci. S'il vous plaît. Mais ça tombe. Non. Ça tombe la première semaine, il a organisé son cabinet. Pris de... Yemora Lobagit. Il faut consulter Bato Bassa, Moussa, là, on a pour Ayeba. Il faut. Enfin, bref. Ça tombe, il est en train de s'organiser. Maintenant, au bout d'une semaine, à l'obia Roloba, sur Ndenga Osala. Soka Bandi a sali une semaine et demie à Silisi. Bon, Roloba est souka traîné. Dès le jour. Soki, et là, on a l'aïna l'obézake, Soki, t'as commis là-bas 15e, 20e jour, t'as monika osa et l'oro, t'es ah, ouais, t'as kotuna. Mais en une semaine, on vient de les nommer. Thierry. Il est en train de se mettre. Parce qu'il pouvait se mettre aussi. Là, on dit. La précision me donnée par Augustin Kabuya. Oui. J'avais eu au téléphone à ce sujet parce qu'au niveau de la rédaction, on voulait avoir les précisions sur ce qu'il a déjà fait et ce qu'il compte faire après nomination. Juste après désignation comme informateur. À Bandaki Moussala. Mais seulement, il avait dit qu'il ne voulait pas gérer avec le média Nebandeliwana. Yango Lelo à la communication. Il va dire ce qu'il a déjà fait et comment est-ce qu'il compte continuer la mission Mbappé Sakié. Moi, je trouve juste que c'est trop tôt de dire en une semaine qu'il traîne. Non, c'est si, tout. Si. Moi, il a un délai de 30 jours. Laissez-le travailler. Laissez-le travailler. On le jugera au bout du délai. Moi, ce n'est pas tôt. Allô, Vital. Vital Caméré. Yoza, on combien? Petit langaliste, on va signer. Allô. Monsieur Bahati, on en a encore combien? Généraliste, on va signer. Si c'est aussi facile. Non, le tout, c'est identifier. Son rôle, c'est identifier. Il ne forme pas. Alors maintenant, pour identifier un mois Moubimba, mais la formation, ça sera encore comme moi. Et puis, surtout, l'assurance Bazaki Nango pendant la campagne, ils étaient sûrs qu'ils. Pour moi, ils auraient déjà dû avoir commencé le jour où Tozalaki na Bosolo ou Baba Monique, c'est nous qui avons gagné. Bon, je voulais poser la question. Est-ce que de l'identification. Qui l'aurait nommé à cette époque? Non, pas qui l'aurait nommé. Ça veut dire que c'est l'Union Sacrée qui dit voilà, nous on a combien le jour-là. Qui va le désigner? Thierry, il faut que le président. Oui. Faites Basalaki, c'est Pelaki, Babazaki dans l'élection législative. Pourquoi Basalaki au point de la ligne? Parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient la majorité, oui ou non? On a même dit une majorité écrasante. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Identifier qui?
mais il faut maintenant, il faut maintenant respecter la loi, hein, respecter les procédures mais qui sont faites par la loi. La loi dit quoi? La procédure c'est quoi? La procédure dit, tu dis, la procédure dit, le monsieur le président, voilà, le monsieur le président dit, vous dit, voilà, identifiez-moi ça. Le lendemain, tu peux venir en disant, voilà, les voilà. C'est tout, ça suffit. Mais il doit c'est consulter tout. Les gens. Ah, pas consulter. Arrêtez. Il faut qu'il s'il consulte. Vous plaît. Non, consulte, là, on veut aller au-delà du rôle de l'informateur. Non. Comment ça? Les gens, c'est les formateurs qui doivent prendre le temps, par exemple, qui est battu tel, il doit identifier. Il ne prend pas les noms de personnes à intégrer le gouvernement. Il identifie. Comment il identifie? Que tout le monde ne parle pas en même temps. Il identifie la majorité, la coalition majoritaire. Comment il le fait? Je peux répondre. Il peut le faire de plusieurs manières. Il peut organiser son équipe, s'il vous plaît. Ou carrément il peut rester chez lui. Okay, les gens peuvent changer des appartenances. Il y a même des gens qui ont quitté. On fait passer dans nos informations un parti politique avec des députés a quitté regroupement. Ouais. S'il va aller à l'opposition. Et si les partis. Il a passé à l'informateur maintenant de le convaincre de ne pas changer de camp. Mais c'est ça l'identifier. Il identifie les positions. Trésor Kiyombo. Il ne convainc pas. Il constate la majorité. On a parlé de. Et si un député s'est inscrit comme non aligné, comment il le saura? Il ne faut pas, parce que tu as un micro. Non, attendez. Il ne faut pas que tu aies un désordre. Il ne faut pas parce que tu as un micro. Tu as un macambo, tu as un zélaté. Et ça, salaire sérieux. Il y a un nommé la première institution. Il y a un salaire de manière sérieuse. Pour appeler ça un résultat fiable. Et ça, t'es bon, il peut identifier comme ça. À Sangisiba, il faut y okabatu. À Bengi, à président parti, président regroupement, bino bozali, bino boni bino. Bati le kwebo, on l'a reçu, non? Christian nous a connu. Oui, d'accord, je me rappelle. Oui. Mais la seule chose que maintenant on doit. Non, s'il vous plaît, Trésor, non. La seule chose que maintenant, parce que le tout, c'est. Il faut s'arrêter au principe. Il faut penser au peuple. Non, attention. Dans 5 jours, tous les membres du gouvernement qui ont été élus, ils sont une trentaine ou un peu moins. 39. 29. Tous ces membres-là, ils doivent démissionner. On n'aura pas de qu'est-ce gouvernement. Qu'est-ce que ça a à voir avec le gouvernement? Non, attention. Ce que ça veut dire. On n'a pas de gouvernement. Non, attention. Mm-hmm. Plus on aura. Plus vite l'informateur aura terminé sa mission, plus vite il y aura un formateur. Et plus vite on ira à identifier qui peut rapidement remplacer. Parce qu'attention, il faut plutôt commencer la discussion sur qui prend quoi au gouvernement, plus vite le 15 mars. Parce que c'est le 15 mars que la session ordinaire s'ouvre. Plus vite le 15 mars, on sera prêt pour le gouvernement parce que c'est ça qui compte. Un gouvernement des affaires courantes. Dans une situation telle que la nôtre, où à l'Est, ça tire, où il y a des drames d'inondation, il y a des drames de ceci. C'est vrai qu'on a toujours ceux été. Qui sont l'avant, ça subit. Le docteur Roger Kamba a répondu à cette question. Ce que vous oubliez, c'est que quand quelqu'un fait une intérim, quand quelqu'un est en affaire courante, on ne peut pas prendre des décisions. On va juste colmater les brèches. Les affaires courantes. Il n'est pas le seul à prendre des décisions. Il y aura des conseils des ministres. Il y a un président élu qui a été investi. Thierry Cambou dit ce que il y a des ministres qui sont là. Le président, il n'est pas membre du gouvernement. Si. Attention. Qui préside le relis la Constitution. Le premier ministre. Dans la loi, le premier il n'est pas, ministre. Mais dans la pratique, voilà. Oui, il est là. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que. Il n'y aura plus de ministres, à part ceux qui vont garder. Beaucoup de ministres ne seront plus responsables de leur domaine. Ils vont devoir y arriver tout neuf. Ils auront déjà d'autres ministères pour la plupart. Si ce n'est pas le même Premier ministre, le président ne va pas pouvoir... Cela a déjà existé dans ce pays, même en période de guerre. Oui, mais est-ce que vous trouvez normal... Les choses ont été gérées. Est-ce que vous trouvez normal, dans la situation du pays... qu'on soit à un gouvernement d'intérimaire ou un gouvernement des affaires courantes. Je dis non, c'est tout. Mais cette situation doit arriver du fait de notre constitution parce que le temps que les institutions se mettent en place pour renouveler les institutions, on n'a pas choisi de se retrouver en ce moment. D'où il y en a même qui ont dit, alors qu'on a la guerre à l'Est, ces élections... Donc il fallait quoi? Parce qu'on a guerre à l'Est, il faut faire dans la précipitation ou il faut maintenir les ministres qui mettent des mandats? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit...
l'informateur à certains mois, il pouvait faire ça beaucoup plus rapide pour que le formateur arrive, que le gouvernement arrive le plus rapidement même possible. Si termine la semaine encore prochaine. Des nouveaux ministres qui ne maîtrisent pas les dossiers, qui vont venir dans certains postes. Le ministre de la santé qui est avec nous ici, il a dit qu'il y a plusieurs ministres qui vont occuper d'autres ministères. Si on lui donne le ministère des finances, si on lui donne le ministère de l'agriculture, tu crois qu'il peut-être il va pas la maîtriser aborder avec la même dextérité que celui qui était là. Merci à vous de nous avoir suivis. Ici se termine l'émission Le Débat. Dans des pays sérieux où on compte plus sur l'administration, ce débat là n'existe pas. On a une administration, on n'a pas à s'inquiéter. En Belgique, il y a eu 6 mois de blocage avant la formation d'un gouvernement. Je papa, pas tu, voulais, tu, tu voulais avoir le dernier mot, tu es en train de conclure. Dans un pays normal, oui, mais aujourd'hui, nous, tout est fait au niveau des cabinets ministériels. Le ministre n'est plus là, vous allez me donner raison. Ceux qui vont assumer l'intérim travailleront avec les cabinets vous allez me ça, donner pas la, la, la célérité n'exclut pas les sérieux. L'informateur peut conclure son travail en une semaine. Mais oui, je suis d'accord. Mais il n'est pas en retard. Monsieur Augustin Kabouyachi, allez, 31 à demain. Nouvelle rubrique. Sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, Bozela Kibiso Bisika et Belé. Émission Le Débat Mboula Oyo. Makambo et Belé à Sikape à Kito Kopona Bino Balandi Pe Batali Nabiso. 085 210 11 11. 11h30, 13h30, émission Le Débat du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est à la seule émission Oyo et PSPG PSBIS possibilité au Kotananda Kabakonji. Zalane Airtel manye yo kabilengi di. Top. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé top congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Honor Kivu, une accalmie relative est observée ce jeudi dans le territoire de Masisi. Les forces armées de la RDC consolident leur position à Sake. Par contre, une bombe de mortier a touché hier une base militaire du contingent sud-africain de la SADC. 2 soldats ont été tués. Top Congo FM. 42e anniversaire d'existence de l'UDPS. Aujourd'hui, les cadres et membres de ce parti politique se fixent rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'est pour un culte d'action de grâce. Top Congo FM. Des magasins fermés et certaines activités perturbées ce jeudi à Kalemie dans la province de Tanganyika. Action initiée par la Fédération des entreprises du Congo qui proteste contre les multiples taxes instaurées au port ainsi que sur plusieurs axes routiers. Top Congo FM. Le gouvernement congolais envisage de créer des millions d'emplois grâce à l'entrepreneuriat. Le ministre de l'Entrepreneuriat et des PME l'a dit lors de la présentation des résultats du conclave du génie scientifique congolais. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonne condition d'écoute. Guerre au Nord Kivu, dans l'est de la RDC, ce jeudi, une accalmie relative est observée sur presque toutes les lignes de combat dans le territoire de Masisi. Les forces armées de la RDC consolident leur position à Sake et à Bweremana, non loin de la localité de Chacha, localité contrôlée par le M23 RDF depuis le week-end dernier. Le trafic a été suspendu entre Sake et Minova sur la RN2, la seule voie qui reste pour approvisionner la ville de Goma en vivres et divers produits. Pour le président de la société civile de Masisi, Voltaire Batundi, non seulement les zones occupées doivent être récupérées, il faut également ouvrir toutes les voies coupées par la coalition M23 RDF. Voltaire Batundi, joint au téléphone par Jonathan Kombi. Et vraiment, il n'y a pas aujourd'hui jusqu'à maintenant des affrontements dignes de ce nom. À Masisi Centre,
Est-ce que vous sentez les conséquences de cette guerre? Parce que visiblement, vous aussi, vous n'êtes plus approvisionné par des produits qui viennent de Goma, même si Goma aussi dépend de Masisi. L'impact est très grave. Vraiment, nous souffrons beaucoup de l'absence de produits de première nécessité qui proviennent de Goma parce que bientôt une semaine, la route est coupée, elle est fermée, elle est bloquée. Les tarifs alimentaires ont galopé, le prix a galopé. Nous sentons l'absence de beaucoup de produits comme le sel, le sucre, le carburant. En tout cas, tout est retombé, tout a rechuté vraiment par rapport aux approvisionnements de Goma. Nous avons hâte de voir les déplacés retourner chez eux. C'est que le gouvernement devrait déployer tout son arsenal militaire afin de pousser les ennemis, mais aussi les militaires de la SADC que nous sommes en train d'attendre et que SADC aussi a déployé, que SADC puisse nous aider à ouvrir les axes Kilolire, Mushaki et Chacha, afin de permettre à la population de rentrer. Voltaire Batundi de la société civile dans le Masisi. On a enregistré des victimes parmi les militaires de la SADC. Deux soldats sud-africains de la mission de la SADC ont été tués et trois autres blessés. C'est la force de défense nationale sud-africaine qui l'annonce dans un communiqué ce jeudi. Une bombe de mortier a touché hier une base militaire du contingent sud-africain causant des pertes et des blessures parmi les soldats. Cela dit, des déplacés s'installent dans de nombreux camps autour de la ville de Goma. C'est notamment au camp de Boulengo, au quartier Lac Vert, à l'ouest de la ville. Ces déplacés proviennent notamment de Chacha, Saké et les environs. Ils fuient des nouveaux affrontements qui ont éclaté depuis peu entre les FRDC, appuyés par les combattants Wazalendo et la coalition M23-RDF. Des difficultés sont multiples dans les sites des déplacés. Des cas de violences sexuelles sont enregistrés. Docteur Janine Mouazi, médecin chef de zone de santé de Goma, raconte comment s'effectue la prise en charge au camp de Boulengo et ailleurs. Docteur Mouazi, au micro de Jonathan Kombi. Et vu la vulnérabilité des dames et quelquefois les hommes aussi, il y a des cas de violences sexuelles, mais qui sont pris en charge par les quelques partenaires. Il y a les partenaires Caritas et MSF Hollande qui ont les monopoles de ces activités-là des violences sexuelles, surtout au niveau de MSF Hollande. Mais aussi, il y a quelques partenaires qui amènent un paquet. L'autre peut amener la partie psychosociale, l'autre amène une réinsertion. Nous avons aussi Action Aid, avec qui on travaille. Et puis MSF France, et Soprop, qui ont presque des activités dans les camps, pour les cas de violences sexuelles. Les chiffres Les mois, si on fait la moyenne pour les mois, vraiment, nous sommes à 500, 600 cas de violences sexuelles. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment trop. Depuis le début de la guerre, dans ces camps? Bon, depuis le début, ça, je n'ai pas ça en tête. Je dois aussi vérifier si c'est combien, mais il y a des fois 500 par mois des cas de violences sexuelles. Docteur Janine Mouazi. Et dans la province du Haut-Uele, les organisations des femmes leaders dénoncent les violences subies par la population dans l'est de la RDC. Elles se sont exprimées à travers une déclaration mercredi à Isiro. Et des manifestations, mais également des campagnes pour la paix se multiplient en RDC. Les femmes de plusieurs églises étaient avec l'épouse du chef de l'État, Denise Nyamata, à l'initiative de l'épouse du vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba. Détail, Béro Matanda. Ce sont les voix des femmes levées vers le Seigneur en faveur du pays pour demander le retour de la paix, mais aussi le développement des provinces. Unies comme une seule personne, ces femmes ont intercédé, adoré et loué le Seigneur pour implorer sa grâce afin que les armes se taisent et que les actes inhumains ne soient plus commis au Congo. Elle ne s'est pas mise à l'écart car cette situation affecte tout le monde. La First Lady a mis son temps à profit pour ce moment qu'elle a jugé très capital. D'un cœur très serré,
Denise Nyankeru Tshisekedi a pris la parole. C'est très dur de voir que Tozali, ils sont manquants. C'est dur ce qui se passe à l'Est. C'est dur de voir qu'on est seul. La seule personne que nous avons, c'est Dieu. La prière des femmes est très efficace. Ce qui se passe au pays, si nous ne nous levons pas, ça sera très grave. Une chose est vraie, je sais que, puisque nous sommes rassemblés ici, Dieu est avec nous. C'est injuste, c'est méchant, c'est inhumain. Prière pour la nation, c'est l'intitulé de ce moment. Débuté depuis 2005, une vision portée par Liliane Bemba, l'épouse du vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense. Oui, c'est l'heure de la prière. Autre rendez-vous annoncé, c'est demain vendredi 16 février. Une journée de prière sera organisée au stade Tata Raphaël par l'église de la Compassion que dirige le pasteur Marcelo Tounassi. Ce rassemblement va marquer la fin de 40 jours de jeûne et prière. Écoutez le pasteur Coco Bellané, pasteur assistant à l'église de la Compassion au micro de Genovic Boa. Alpha, c'est une inspiration que Dieu a communiquée à son serviteur, le pasteur Marcelo. Généralement, les gens font les jeûnes en fin d'année. Mais quand vous faites les jeûnes en fin d'année, il est dit, et vous le savez autant que moi, celui qui veut aller loin menace sa monture. Et alpha, c'est que Dieu commence avec nous l'année et il va terminer avec nous comme oméga. De manière spécifique et particulière, les messages que développe aujourd'hui l'Église de la Compassion a deux ou trois horizons. La première approche, c'est la multiplication des justes. C'est que l'Église veut qu'il y ait cette multiplication des justes. Mais au-delà de la multiplication des justes, il est écrit dans la parole: priez pour vos autorités, priez aussi pour le pays dans lequel vous êtes parce que votre salut en dépend. Et de manière particulière, au regard des atrocités, nous sommes allés prendre les orphelins à Goma. Nous savons ce que c'est les conséquences de la guerre. Il ne faut pas aimer la guerre. Nous avons des enfants dans l'église, la Compassion, qui sont orphelins des pères et des mères parce que victimes de la guerre. Nous voulons prier pour les pays. Nous croyons, comme il est écrit dans la parole, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face. Et au-delà de la prière pour les pays, parce que les familles sont dans les pays, il y aura aussi une prière adressée aux familles. Des propos recueillis par Genovic Mboa. On prie et on chante également pour la paix en RDC. La chorale Luc Gilon de la paroisse Notre-Dame de la Sagesse à l'Université de Kinshasa a lancé sur le marché du disque une chanson intitulée Espoir. Nous allons y revenir. Des bandits urbains appelés Kuluna étaient en opération au niveau de la place des Évolués dans la commune de la Gombe. Ils ont été interpellés ce matin par la police. D'après le chef de la police à Kinshasa, général Blaise Kilimbalimba, ces jeunes munis d'armes blanches avaient pris l'habitude d'attaquer des passants et même des touristes sur ces sites. Parmi les bandits interpellés, certains étaient recherchés par la police. Général Kilimbalimba, au téléphone de Myriam Bokechou. La police vient d'intervenir en pénétrant dans le tunnel qu'ils se sont toujours servis pour se cacher. Pour l'instant, nous venons d'arrêter 5 de leurs, des véritables, robustes, costauds. Cette fois-ci, c'est des véritables Kuluna qui ont la taille, qui pouvaient même faire peur à la population. Au moment où nous parlons, ils sont au commissariat provincial. On a récupéré d'abord 2 de leurs et puis 3 se sont cachés dans les tunnels. Et la police a fait tout pour pénétrer dans ces tunnels et pour maîtriser les 3 autres. Donc ça fait 5 qui sont chez nous ici au commissariat provincial. Ce sont eux qui se manifestent régulièrement là-bas. Ils sont tous fichés. L'attaque est vraiment en train de s'effectuer, ainsi qu'aujourd'hui, ils sont tombés entre les mains de la police. Il y a le calme total, et c'était vers l'ISP Gombe qui a affecté même la place des autres, des Évolués. Qu'en est-il de la décision interdisant la circulation de motos ainsi que tout rassemblement de plus de 5 personnes dans la commune de la Gombe? Les motards avaient déjà investi la ville. Pour attraper un motard, il faut beaucoup d'engins. Parce qu'ils peuvent emprunter facilement les ruelles. On continue à les arrêter. Aujourd'hui encore, il y a déjà un nombre au commissariat provincial. Ils vont se faire arrêter dans leur 40e jour. Général Blaise Kilimbalimba qui répondait aux questions de Myriam Bokechou. Qui seront les prochains dirigeants des institutions dans la province du Kasaï? Il faut savoir que à Tshikapa va prendre le gouvernorat et le territoire de Lebo veut diriger l'assemblée provinciale du Kasaï. Dans une déclaration, un groupe de notables a invité les députés à faire
faire le bon choix. Adonis Toujibikile Mambakai, l'un des notables, est au micro de Fabien Gouesh. Le bois était considéré comme étant bastion de l'opposition lors des régimes dictatoriaux passés, raison pour laquelle il a connu une victimisation pour avoir perdu le chef-lieu de la province. Aujourd'hui, nos frères de Tchikapa ont préféré gérer le gouvernorat des provinces, mais pour nous, notre idéal est celui-ci. Comme Tchikapa prend le gouvernorat de la province, nous, le bout d'office, nous prenons l'Assemblée provinciale. Je m'adresse au président de la République, chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, également au secrétaire général de l'IDPS Tshisekedi, M. Augustin Kabuya, de prendre en considération notre revendication. Cette revendication est réelle. Je mets quiconque à défi sur la situation sociologique des filles et fils de notre territoire de Lebo. Nous avons élu les députés nationaux, nous avons élu les députés provinciaux. Pour votre information, tous ces députés sont les fils du territoire de Lebo. C'est nous qui connaissons nos fils, raison pour laquelle ils ont reçu le mandat de la population de Lebo. Élection des gouverneurs dans la province de Lomami cette fois-ci et aucun dossier jusque-là. Des candidats gouverneurs déposés à l'antenne de la CENI à deux jours de la fin de l'opération et il y a comme une bataille de positionnement des trois groupes qui veulent donc gagner le gouvernorat. Correspondance à Libukasa Kabambi. À Kabinda, l'ambiance au BRTC est très timide pour les élections sénatoriales des gouverneurs. Jusqu'à ce jeudi, le bureau de réception a enregistré seul le dossier d'un candidat sénateur. Selon Louis Nkunka, président du BRTC Lomami, aucun candidat gouverneur n'a déposé son dossier. Pourtant, dit-il, la fermeture du BRTC intervient ce vendredi. Dans la population, la dispute des territoires pour diriger la province reste la justification de cette timidité. La gestion de la province étant rotative et consensuelle, à ce jour, les notables et élus de Ngandanjika, Lulu et Kamiji sont dos à dos. Pour chaque camp, c'est le tour de son territoire de proposer le gouverneur. Pour y arriver, ce sont les chefs coutumiers qui arrivent en contribution. Depuis quelques jours, des mémorandums adressés au président de la République pleuvent à travers la province de Lomami. Auprès du chef de l'État, ces autorités traditionnelles sollicitent l'implication en faveur de leurs causes respectives. De la ville de Mweneditu, Ali Bukasa Kabambi, Top Congo FM. Validation des mandats des députés nationaux. Flori Mapamboli figure parmi les députés élus de la circonscription de Kasongo-Lunda dans la province du Kwango, a représenté cette partie du pays à la Chambre basse du Parlement. Il serait conscient des difficultés auxquelles ses électeurs font face. Il promet d'être leur porte-parole afin de répondre donc à leurs desiderata. Espère des questions financières dans le secteur public et privé congolais. Il promet de mettre à contribution son expérience de plusieurs années dans la commission économique et financière de l'Assemblée nationale. Flori Mapamboli au micro de Barik Bouema. D'abord, un remerciement à tous mes électeurs, à toute la population de Kasongo-Lunda, à ceux qui ont voté pour moi et à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Un remerciement à toute cette population qui m'a soutenu et qui continue à me soutenir jusqu'à aujourd'hui. Quel type de député vous serez à la chambre basse du Parlement? Un député rigoureux. Rigoureux, pourquoi? Parce qu'il ne s'agira pas seulement de voter les lois, mais aussi de contrôler le gouvernement et le cas échéant, le sanctionner. Il sera également question de travailler dans la sérénité la plus totale. Sans complaisance, il n'y aura aucun dictat politique dans le cadre de mon mandat en tant que député national. Projet de réforme, vous comptez amener en premier lieu au niveau de l'Assemblée nationale? Le plus important, cher Osé, ce n'est pas de continuer à voter les lois si celles qui existent, nous ne les respectons pas. Dans un premier temps, il faut renforcer les contrôles de l'exécutif, les contrôles des entreprises publiques et toutes les entités liées. C'est d'abord ça, avant d'envisager de nouvelles propositions de loi. Expert des questions financières, est-ce que vous comptez mettre cela à profit au niveau de la Chambre basse du Parlement? Bien entendu, je serai très actif dans la commission économique et financière. Je mettrai un accent particulier sur la façon dont le budget de l'État est exécuté, sur le rapport de reddition de comptes, mais aussi sur la façon dont les finances publiques sont gérées au quotidien.
le député national Flori Mapamboli qui répondait plutôt aux questions de José Manzanza. Élection législative de 2023, le parti politique Alliance pour l'amour du Congo a décidé de quitter le regroupement politique Alliance pour l'avènement pour un Congo prospère et grand, AAACPG, en sigle donc. Ainsi, c'est la décision prise par les cadres et militants du parti de Feza Motema. Le parti a décidé aussi de se présenter aux élections sénatoriales prochaines. On fait le point avec le secrétaire général adjoint en charge des questions administratives du parti, Gérard Ngoma Mbumba. Il est au micro de Marcel Kitambala. Réitérons notre engagement et notre détermination à défendre la vision politique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, en lui apportant notre soutien indéfectible dans la mise en œuvre de son programme décliné en 6 axes. Condamnons inflexiblement les actes génocidaires perpétrés à Masisi, à Rutshuru, à Nyiragongo par les terroristes du M23 soutenus par le régime de Kigali. Réaffirmons notre ferme volonté de poursuivre notre participation au processus électoral, spécialement aux élections sénatoriales, conformément au calendrier publié par la CENI. À cet effet, nous tenons à informer l'opinion tant nationale qu'internationale que pour des raisons qui lui sont propres et pour se conformer, l'Alliance pour l'amour du Congo décide à dater de ce jour de se retirer du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG en sigle. Cependant, nous saisissons cette même occasion pour réaffirmer notre appartenance et notre loyauté à la grande famille politique de l'Union sacrée pour la nation dont l'ADC, notre parti, est signataire. Gérard Ngoma au micro de Marcel Kitambala. Un événement à l'UDPS, c'est le 42e anniversaire d'existence de cette formation politique fondée par un groupe de parlementaires à l'époque du maréchal Mobutu en 1982. Aujourd'hui, les cadres et membres de l'UDPS se fixent rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour un culte d'action de grâce. L'UDPS a passé 3 décennies dans l'opposition avant l'avènement de Félix Tshisekedi qui a prêté serment le 20 janvier dernier pour un second mandat à la tête de la RDC. Après des décennies, quel bilan faire du combat des pères fondateurs de l'UDPS? Quel héritage? Selon Maître Séraphin Oumba, secrétaire général de l'UDPS Kibasa, une grande partie du chemin a été parcouru. Séraphin Oumba au micro de Walter Couille. Le combat président, les choses auraient été autrement, si depuis déjà 1982, l'UDPS avait succédé au MPR, aujourd'hui, nous essayons, par les chefs de l'État, de répondre aux vœux de père fondateur. Mais cela paraît pas facile. Nous avons hérité un État où la corruption gangrène presque tous les rouages de l'État. Et ce n'est pas dans 5 ans qu'on peut se départir de cela. Il faut un jour qu'on s'arrête, qu'on se dise comment. La justice. Et même dès la CENI, qu'est-ce qui nous reste encore? Est-ce que c'est notre destin? Je pense que non. Il y a des efforts à fournir. Aussi longtemps qu'il y aura 2 ou 3 personnes qui se seraient imprégnées de la volonté, du souci qu'avait le père fondateur en se sacrifiant, en quittant l'opulence pour entrer, créer l'opposition, en fait de remettre les choses sur les rails, je crois qu'on pourra rebâtir sur ça. Et ce sont des valeurs. Nous sommes des conservateurs de ces valeurs. Nous pensons que la justice doit être au-dessus de la mêlée. Regardez comment on se retrouve devant la cour constitutionnelle. Des milliers de requêtes. Donc les gens auraient dit amen au résultat de la CENI. Mais que transpire cette CENI? Nous avons fait notre pas, il y a du chemin. Et aujourd'hui, parlant de la commémoration, nous ne pouvons pas aujourd'hui appeler des militants, chanter, alors que nous savons que le nôtre qui est au pouvoir est en train de faire tout ce qu'il peut pour récupérer les territoires conquis par les Rwandais. Ça fait 42 ans que le DPS est créé, mais les circonstances ne nous permettent pas de fanfaronner, festoyer cet anniversaire.
Séraphin Oumba, secrétaire général de l'UDPS Kibasa. Préparatif de la DRC Expo Washington 2024, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des exportations, Mike Tamboué, a circonscrit le sens de cette activité qui vise à promouvoir les produits exportés par la RDC aux États-Unis et les opportunités qu'offre le secteur agricole congolais. C'était au cours d'une réunion préparatoire de la deuxième édition de la RDC Expo Washington 2024. L'ambassadeur de la RDC aux États-Unis et quelques entrepreneurs agricoles et aussi des représentants des entreprises publiques ont participé à ces échanges. Écoutez Mike Tamboué, DG de l'ANAPEX. Pour cette année, en collaboration avec notre ambassade à Washington et avec le concours et l'invitation de tous les partis ici présents, nous souhaitons que soit organisée cette deuxième édition de la RD Congo Expo à Washington autour des idées, forces et enjeux suivants. Promotion des produits exportables du secteur agricole de la République démocratique du Congo. Redynamisation de l'entrepreneuriat agricole congolais. Amélioration de l'offre exportable congolaise, vulgarisation des opportunités d'investissement multisectorielles en République démocratique du Congo, stratégie optimisation de l'utilisation des avantages qu'offre l'initiative AGOA. Dans cette optique et en vue d'assurer une organisation et une participation coordonnée et cohérente de la RD Congo à ces expos. Comment développer et assainir la commune de Massina en impliquant la population et surtout en associant les opérateurs économiques? C'est autour de cette interrogation qu'ont tourné les échanges entre le conseiller municipal de Massina, Claude Sandoukou, et quelques investisseurs étrangers. À noter que cette rencontre a eu lieu à l'issue de la plénière inaugurale du conseil municipal. Maître Bourgeois Mboma, coordinateur du Rassemblement des associations Peter Kazadi, venu pour la circonstance, était allé donc soutenir l'un des leurs. Il est au micro de José Manzanza. Alliance de Congolais pour l'intégrité de la République sommes très satisfaits des contacts pris par le coordonnateur de la plateforme Rassemblement des associations de Peter Kazadi, le conseiller municipal le mieux élu, Monsieur Claude Sandoukou, auprès des investisseurs indiens et pakistanais pour le développement de notre chère commune. Ces investisseurs ont pris l'engagement d'intervenir dans les secteurs du social, enseignement, environnement et emploi. Dans le domaine social, ces investisseurs ont apporté une assistance humanitaire significative auprès de victimes du sinistre récemment vécu dans la commune de Massina. En ce qui concerne l'enseignement, ils vont assurer la construction d'une école dans le domaine de l'environnement, assurer l'installation d'une usine de recyclage des déchets. Et enfin, dans le domaine d'emploi, dans un premier temps, d'offrir à la disponibilité de la jeunesse de Massina 1000 emplois. Le trafic a repris timidement sur la RN17 allant de Bandundu à Kinshasa, passant par le territoire de Kwamout. Seul le transporteur de marchandises fréquente pour le moment ce tronçon. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans plusieurs villages le long de la route. Cela après les affrontements entre les FRDC et les miliciens Mombondo. Explication Jonathan Messa. Au pont Nganambo jeudi, pas un seul véhicule ne prend la direction de Kinshasa. Les conducteurs de taxi-moto, eux, peuvent foncer jusqu'à plus de 50 km alors que tous les bus de transport de personnes restent en stationnement. Depuis quelques jours, seuls les cargos ramènent les marchandises de Kinshasa à Bandundu, témoigne un agent du service des transports rencontré. Les bus n'ont pas encore repris. Seulement les gros camions de marchandises suite à l'insécurité au plateau. Les transporteurs et les passagers ont encore peur d'emprunter cette route. Mais les containers viennent avec
avec des produits divers, l'État a déjà repris le contrôle de la route. Là, l'État s'occupe des gens là. Malgré la forte présence des éléments de force de l'ordre et des sécurités, la peur n'a pas encore quitté les ventres des chauffeurs de gros camions. Ils s'organisent désormais à venir à Troyes, aussitôt arrivés à Massiambiou. Quand on arrive à Massiambiou, dès qu'on est à trois véhicules, on avance. Si tu es seul, il n'y a pas moyen d'avancer. Leur souhait, c'est la paix durable. Que l'insécurité prenne fin, que la route soit rouverte au trafic. Jusque-là, aucune mesure officielle n'a levé la suspension du trafic sur la RN17 pour les agences des Bandundu. Le gouvernement provincial du Kwilu avait ainsi décidé, après les regains d'insécurité constatés en fin décembre 2023 sur ces tronçons. Depuis la ville des Bandundu, Jonathan Messa, Top Congo FM. Des magasins fermés et certaines activités perturbées ce jeudi à Kalemie dans la province de Tanganyika. Action initiée par la Fédération des entreprises du Congo qui proteste contre les multiples taxes instaurées au port ainsi que sur plusieurs axes routiers. La FEC révèle que 27 services perçoivent les taxes au port où l'on devait voir que les agents des quatre services reconnus. Selon Jules Moulia, président de la Fédération des entreprises du Congo, c'est depuis plusieurs années que les opérateurs économiques se plaignent de l'existence de certains services qui perçoivent des taxes illégales. Jules Moulia, au micro de Fabien Kambizi. Pour ceux qui vont au port de temps en temps, vous allez remarquer la tracasserie bat son plein. C'est comme si la tracasserie a été inventée au port de Kalemie. C'est là que la tracasserie a été inventée, dans ce monde. C'est devenu intenable. Le coût de vie à Kalemie est très très élevé. Et tout ça est relatif à la situation des taxes. Nous payons beaucoup beaucoup de taxes au port de Kalemie. Il y a 27 services, alors que la loi ne prévoit que 4 services, selon l'ordre opérationnel. Celui qui coordonne l'ordre opérationnel, c'est la DG. Nous avons écrit à la DGM, pas seulement à la DGM Tanganyika, nous avons écrit à la DGM Kinshasa pour la faire savoir de la situation qui prévaut à Kalemie. On n'a jamais eu une réponse satisfaisante. Nos cœurs sont meurtris, on ne va pas continuer à cette allure-là, non. Il y a un autre très sérieux problème qui impacte toute la vie économique du Tanganyika, c'est la situation de nos routes. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, Niouzou n'est plus accessible, même enterrer nos morts ici. Arriver au cimetière est devenu un vrai calvaire. Aujourd'hui, le sac de farine Yakakontwe à Manono est passé à 70 000 francs. Quand vous venez avec de la marchandise de Goma, de Bukavu, d'Uvira, on vous traite comme si vous avez importé de la marchandise. Difficile de vivre sans eau potable et c'est le cas à Kananga dans la province du Kasaï central. Depuis plus de 2 mois, l'eau ne coule plus au robinet et du côté de la régie des eaux, aucune communication n'est faite. Détail Alain Saveur Makoba. C'est une situation qui inquiète les Dinkanangi. Plus de 2 mois déjà, les robinets sont secs. Pour avoir l'eau, les habitants du chef Lady Kasaï central sont contraints de se contenter d'eau du forage et de quelques puits enfoncés dans les sols. Cette perturbation des dessertes en eau potable a aussi occasionné la hausse des prix d'une mesurette appelée bassin qui s'est vendue à 200 francs congolais. À ce jour, elle se négocie jusqu'à plus de 500 francs congolais. Dominique Kambala Kongolo de la Société congolaise pour l'état des droits décrit la situation qui se passe à Kananga pour avoir l'eau. Les populations endurent un véritable calvaire. Les ménages se contentent des eaux de pluie, de l'eau vendue par bidon de 20 litres dans quelques bonnes fontaines ou encore de l'eau des sources non aménagées. Cette situation déplorable expose les populations au risque des maladies diarrhéiques, de l'absentéisme des élèves à l'école à cause de la recherche de l'eau et des conflits causés par des querelles et des disputes. Toutefois, il appelle à l'intervention du pouvoir public pour décanter la situation. La Société congolaise pour l'état de droit engage la responsabilité des pouvoirs publics pour intervenir urgemment afin de mettre à la disposition des populations soit des produits purifiants en attendant et à long terme faire en sorte que les capacités techniques de l'usine de Chibaji soient renforcées. Du côté de la régie des eaux au niveau local, aucune communication n'est faite pour fixer l'opinion quant à cette situation. Toutes nos tentatives pour avoir les réactions n'ont pas abouti. De Kananga, Alain Saver Makoba pour Top Congo FM.
paye des prestataires de la riposte COVID-19. Aucun prestataire sur toute l'étendue du territoire national n'a été payé, ces agents qui ont travaillé durant la pandémie de COVID-19 accusent plus de 10 mois d'arriérés de primes. C'est docteur Freddy Luenjoko, l'un des membres du comité des revendications, qui le dit. Il indique par ailleurs que la dernière communication de l'IGF, l'inspecteur général de finances Gilles Alinguété, chef de service, donc, a levé l'équivoque sur le dossier relatif à la paie des prestataires COVID-19. Il estime que le ministre des Finances, qui n'a toujours pas autorisé le paiement de cet argent, devrait réactiver le dossier déposé depuis juillet 2023. Docteur Freddy Luenjoko au téléphone de Peggy Wabeno. Nous accumulons plus de 10 mois d'arriérés. Les dossiers de notre pays traînent encore sur la table du ministre des Finances, pour ne pas parler du blocage. Comme nous avons tous suivi à travers les ondes de la radio Top Congo, il y a notre ministre sectoriel de la Santé qui est passé, qui a soutenu que l'argent serait déjà décaissé, ce qui n'est pas correct. L'argent n'a jamais été décaissé, nous n'avons pas été payés. Il a d'ailleurs été contredit par l'IGF qui a aussi en même temps apporter des précisions. Il n'y a jamais eu une correspondance. Et je disais à notre pays, le chef a été clair. Et puisqu'il s'est avéré aujourd'hui que vous n'avez jamais été payé, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, à ce jour, nous pensons que la situation est maintenant claire. Le chef a apporté toutes les précisions qu'il fallait. Il n'y a plus de la confusion. Est-ce que vous comptez reprendre les démarches depuis le début pour réactiver votre dossier? Nous n'allons pas reprendre les démarches depuis le début. Le premier DTO à l'époque avait expiré. Ça, c'est le deuxième DTO. Le DTO est valable, le dossier est retenu, les dossiers se trouvent bel et bien sur la table de son excellence, monsieur le ministre des Finances. Nous espérons que son excellence, monsieur le ministre des Finances, va maintenant devoir nous payer notre argent. Quand il suffit qu'il puisse apposer sa signature, je crois que tous les prestataires de la riposte seront payés. Ils auront d'être un grand travail à la nation. Docteur Freddy Luenjoko au téléphone de Peggy Wabeno. Amélioration de la gouvernance dans les secteurs de la santé en RDC. Le projet pilote de renforcement mis en œuvre par l'agence japonaise de coopération internationale a atteint les résultats escomptés. Une réunion de partage d'expériences tenue mercredi a permis aux parties congolaises et japonaises de formuler des recommandations afin de capitaliser les acquis du projet arrivé à son terme. Explication Myriam Iragi. Après 2 ans de mise en œuvre, ce projet exécuté en sa phase pilote au Congo central dans les zones de santé de Banzangungu, Matadi et Boma a permis d'améliorer considérablement la qualité de travail suivant les 3 axes du projet, à savoir la communication et la coordination entre les niveaux central, intermédiaire et opérationnel, l'organisation et les fonctionnements des structures au niveau provincial et des zones de santé, ainsi que la planification et analyse institutionnelle. Dr Mathieu Lounoula est assistant technique au projet de renforcement de la gouvernance au secrétariat général de la santé. Nous avons mené un certain nombre d'activités au niveau de Kinshasa, au niveau des directions, surtout essentiellement au niveau de l'ADEP et au niveau provincial, dans la province du Congo central. Et aussi, nous avons choisi 3 zones de santé où nous avons appuyé les activités de pilotage au niveau de toutes ces institutions-là. Tout ce que nous avons fait, nous avons voulu, comme c'est un projet pilote, ressortir certaines bonnes pratiques que nous allons mettre dans le projet à venir pour que ça soit répliquer dans les autres provinces. Saluant le travail abattu par la coopération japonaise, Steve Mabiku, chef des divisions stratégie et coopération au ministère de la Santé et point focal planification à la DEP Santé, a émis le vœu que la JICA étende son appui à plus grande échelle. Nous comptons capitaliser ces projets afin de permettre à ce que la gouvernance soit démise dans les différents établissements des soins afin d'offrir des soins de santé de qualité à toute la population. Nous recommandons à la coopération japonaise d'appuyer davantage les ministères de la Santé. Parmi les intervenants à ces échanges, les représentants résidents de la JICA et la conseillère technique JICA auprès du secrétaire général de la Santé.
C'était Myriam Iragui, prise en charge médicale des agents et cadres de la DGDA. Les responsables des centres médicaux réfléchissent comment relever le standing des centres médicaux de cette régie financière. Le forum sur l'harmonisation thérapeutique des centres médicaux a été ouvert à Kinshasa. Selon le représentant du directeur général de la DGDA, une bonne prise en charge médicale va permettre également aux agents et cadres de produire efficacement donc le travail à leur assignation. Jean-Claude Kalenga, directeur général adjoint en charge des questions financières et administratives de la DGDA. Le secteur médical se doit d'être mobilisé durant ce forum sur l'harmonisation des protocoles thérapeutiques au sein des structures médicales de la DGDA et des états généraux des centres médicaux. En revanche, la direction générale ne ménagera aucun effort pour accompagner les personnels de santé de cette lourde tâche qui est la leur, car une bonne prise en charge médicale est une garantie de performance professionnelle. Puisque vous êtes au premier plan de ces assises, sachez que l'attente est grande, l'espoir immense, à la hauteur des exigences en vue de garantir le soin de santé de qualité, rationaliser les coûts des factures de prise en charge tout en sauvegardant les systèmes consolidés avec l'ambition de les améliorer. La raison pour laquelle vous vous êtes réunis étant noble, particulièrement en ce moment où l'État congolais entend maximiser les recettes, la direction générale, qui est sous notre responsabilité, vous assure d'un soutien total et d'un accompagnement sans faille. Le gouvernement congolais envisage de créer des millions d'emplois grâce à l'entrepreneuriat. C'est le ministre de l'Entrepreneuriat et des PME qui l'a dit lors de la présentation des résultats du conclave de génie scientifique congolais. Pour le ministre Désiré Mzinga, une seule entreprise peut générer des sous-entreprises pour donner de la valeur ajoutée à certains produits. Il faut environ 600 millions de dollars américains pour mettre en œuvre les 45 projets innovants retenus et 300 millions de dollars américains pour financer l'entrepreneuriat dans le projet du concours du plan d'affaires. Des hommes en grand nombre dans les boutiques de fleurs, c'était hier 14 février, la fête des amoureux. Oui, on parle de la Saint-Valentin, si l'expression de l'amour par le cadeau des fleurs ne fait pas partie de la culture congolaise, la tendance commence à changer. Dieu merci, Loussa Koumounou a fait ce constat. Je devais partir, madame, mais la cinquantaine révolue, ces clients qui commandent un bouquet de fleurs pour sa femme ne le fait pas simplement par romantisme. Il s'agit plutôt d'un romantisme qui cache toute une autre réalité. C'est pour faire plaisir à madame, pour vous dire vraiment, je ne suis pas dans cette culture-là. Mais si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que c'est une logique à laquelle je n'ai pas adhéré pendant longtemps. Pourquoi se créer autant de problèmes si on peut juste avec ça? Mais c'est pas une conviction personnelle, je n'ai pas. Cependant, certains avouent commander des fleurs pour faire réellement plaisir à leur femme sans être soumis à une quelconque contrainte. Ah, c'est tout simplement faire plaisir à ma femme et pour la prouver que je l'aime. Et voilà pourquoi je profite de cette occasion pour la faire une surprise. Et certains disent que c'est peut-être par contrainte pour éviter les bruits. Non, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Ça, c'est pour une autre personne. Moi, non. Pour le responsable de la boutique Jolie Fleur, c'est la première fois de constater un tel engouement en 5 mois d'activité à Kinshasa. Et depuis que nous avons commencé, c'est la première fois de voir ce genre de mouvement. Donc, les gens viennent en cascade. Et nous avons commencé depuis le matin jusqu'à présent. Vous avez vu vous-même ce qui est en train de se passer. La fleur, comme je viens de le dire, a une signification spécifique. La fleur représente l'amour. Pendant ces temps, les employés de cette boutique n'arrêtent de confectionner des bouquets de fleurs pour les nouvelles commandes des clients. Comment votre journée de travail? C'est trop chargé, mais ça va. C'est vraiment une journée. On vient là au travail depuis le matin jusqu'à présent. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo.
Et c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Myriam Bokechu, King Munga, Trésor Kiyombo, Osé Manzanza, Dieu merci Loussa Kumunu, journal mis en onde par Grâce Lema et réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Théo Loussa Kweno, Dani Zayobi, Patrick Mungongo, Didi Binsika, Pascal Kalambaye. Merci pour votre sympathique attention. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Mon cher. Top Congo FM 88.4, première radio d'information.